et bienvenue dans une émission sauvage à Paris. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison et cette nouvelle année en compagnie de toute l'équipe ici réunie sur ce nouveau plateau de Gaming Live. Mizu, Maf et Raph sont présents avec moi. Bonne année. Bonne année à tout le monde. On a oublié, mais le 6 janvier, on fêtait nos 2 ans du SA, les mecs. C'est vrai, deuxième année de l'émission. Oui. En fait, c'est la 3e saison de l'émission USA qui démarre en ce moment et aujourd'hui, toujours dans les locaux ici de Gaming Live, avec une formule à la fois rodée, mais qui évoluera, on va dire, au fil des semaines avec le contenu. Là, avec les vacances, on va dire qu'il y a eu, énormément à la fois de contenu et d'actualité qui ont popé. Du coup, on va débriefer un peu tout ce contenu et toute cette actualité qui est apparue, dont une des dernières actualités qui est apparue très récemment sur Pokken Tournament dans le dernier Colo Colo. Peux le dire. Ouais, j'en avais parlé un peu dans Meurs pas sans t'amplifière pour teaser. On fera ça bien entendu en deuxième partie. On s'étendra peut-être sur la troisième partie avec sur troisième partie un focus strat qui sera donc concentré et présenté par Raph sur et tu nous en parleras quand même un peu, les spécificités du coup du VGC 2016 qui va comporter tous les Pokémon non fabuleux présent dans Pokémon Rosa. Ah oui, et ça fait mal, hein. Ça fait les fessées. Hein. Donc ça comprend légendaire. Donc ça comprend Primo légendaire Goujon, Primo Kyogre, au pluriel. Hein. Mega Rayquaza. Ah, tout chiné. Hein, tout. Donc c'est over Uber, quoi. C'est un peu particulier, mais on en reparlera. Mais ouais, c'est très particulier. Je veux ton avis là-dessus parce que pour moi, un VGC avec autant de dégueulasserie, je ne sais même pas comment est-ce que ça va pouvoir s'organiser. Je vois mal de toute façon ce que l'on va pouvoir faire contre ces Pokémon qui sont de toute façon prévus pour être absolument. Et totalement pété. Donc tu nous en parleras en troisième partie. Et en première partie, nous allons voir avec toi Maf TCG. Alors, la question du jour. Il y a une question du jour. Oui. Il y a une question du jour. J'ai eu dans le filet question du jour. Pour le moment, il n'y en avait pas. Si, je l'ai rajouté après. D'accord, ok. Très bien. Question du jour, parfait, ma très chère Mizu. Allons-y, qu'est-ce qu'il y a à gagner cette semaine? Cette semaine, donc, notre reporter sans frontières net a réussi à nous choper un Yveltal Shiny. Ah, parfait. Ah, donc, ça, c'est la question du jour porte sur la saga Pokémon Stadium. Parce que, on fait un truc un peu live. Bah, bravo! Bravo la régie. Ah bah. Très bien. Ah bah. Hein. C'était le spoil. Non, ça a rien spoilé. Je sais même pas ce que c'est. Donc, combien de mini-jeux de la saga Pokémon Stadium nécessitent d'utiliser 2 touches ou moins? Ouais, c'est chaud. Sachant que chaque direction compte comme 1 touche. Bah ouais. Et sachant qu'on comptabilise tous les jeux Pokémon Stadium. Donc. Voilà. Il y a des jeux qui nécessitent d'utiliser seulement 2 touches. Oui. Il faut mâcher les boutons. Ou moins. Ça se trouve, c'est 0 la réponse, hein. C'est moi qui l'ai faite, la question. Oh ça se trouve, il n'a pas la bonne réponse. Ça se trouve, il n'y a pas de réponse. C'est bon, ça arrivait une fois, Maf, s'il te plaît. Envoyez toutes les réponses au cas où. De toute façon, c'est un peu une question à choix multiple, hein, puisque des Pokémon Stadium, il n'y en a pas eu non plus à 50 000. Donc, envoyez votre réponse uniquement sur Twitter avec le hashtag USA et on fera un tirage au sort en fin d'émission. Je sais, il faut que je contacte les gagnants qu'on a déjà tirés au sort dans les dernières émissions. Première partie sur le TCG, Maf, c'est à ça, toi. Exactement. Il n'y a pas eu réellement de news TCG ces derniers temps, outre celle dont tu nous avais déjà parlé, on va dire, avec l'arrivée des nouvelles cartes et de cette nouvelle mécanique de jeu. Mais il nous semblait important, on va dire, pour commencer cette nouvelle saison, de faire une introduction sur, tu commences Pokémon TCG, qu'est-ce que tu fais, comment tu crées un deck. Comment est-ce que tu peux créer un truc performant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut éviter quand tu crées un deck dans Pokémon TCG? Est-ce que c'est comme Hearthstone et tu dois mettre 50 000 boules pour avoir des légendaires? Est-ce que c'est cher d'être fort? Tout dépend. Est-ce que c'est cher si vous voulez être vraiment fort ou moitié fort. Est-ce que ça coûte cher d'être fort? Voilà. Et si on veut être bon déjà au jeu avec des moyens modestes, est-ce que c'est possible et comment est-ce qu'on doit, on va dire, harmoniser son deck de cartes? Du coup, ça, c'est ce que tu vas nous parler tout de suite en première partie, mon très cher Maf. Alors, on a ici le jeu, le TCG qui s'affiche. Voilà. Donc là, ce que j'ai pris, ce qu'on voit sur TCGO, c'est que j'ai pris un deck préconstruit. Donc, les decks préconstruits, c'est les decks que vous avez de base sur TCGO. On vous donne ça. On va partir de ce point de départ-là, qu'on va appeler un très mauvais deck. Hein.
Ça, c'est un très mauvais deck. Ça, c'est un très mauvais deck. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi. Il a été généré de façon random, celui-là. Non, 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 c'est les decks préconstruits. Ça fait partie des decks préconstruits que tu peux acheter dans le commerce. Ah ouais, tu sais, d'accord, c'est des decks je comme vois, ça. Ouais. Où en fait, ils donnent un petit. Les ah, c'est des starters, du jeu. Non, c'est pas ça, ils non, appellent pas ça des starters. Bref, ils appellent ça des starters, mais c'est des préconstruits en soi, en fait. C'est, d'accord. Dedans, t'as, quand t'achètes ça dans le commerce, t'as un petit tapis, t'as les petites règles du jeu, t'as des marqueurs de dégâts et tout, et t'as ça. Et les gens se font « Ouais, c'est trop bien, je vais pouvoir commencer à jouer !» Mais y a aucune mana, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Si, si, y a des énergies ensemble. Ah oui, tout d'accord, en bas, 12 et 6, ouais, d'accord, beaucoup, ok, je vois. Y en a le concept d'un deck préconstruit, pourquoi c'est pas bon ? Vous voyez le nombre de Pokémon qu'il y a là ? Alors, famille de Pokémon différentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait beaucoup. 8, ça fait beaucoup, 8 hein. Familles, dont Goopix, qui est là tout seul. Il n'évolue pas. Ah, mais qui peut faire bien. Il est là, voilà. Le bah oui, mais il est mignon. Il peut faire on veut tous cette carte. Postule okay. Il est trop mignon. Pour si tu veux faire un bon décoté CG, il va falloir réussir à te détacher du ah oui, mais il est mignon, je veux le jouer. J'avoue, faut jouer des cartes ultra moches en déjà en strat. Je serais très voilà, mauvaise alors. Déjà. Voilà. De même, bon bah Poussifeu, ok, il évolue en. Mais il a son évolution. Il évolue en Galifeu. Ouais, mais il y a pas de bras égalité. Il y a pas de bras égalité, très bien. Il y a juste Galifeu. Voilà. D'accord. Et ensuite suite, on peut. Alors Barpo il a le droit à avoir Milobelus. Barpo Milobelus, c'est bien. Barpo Milobelus, c'est pas mal. Voilà. C'est bien. C'est pas mal. Milobelus a un bon pouvoir. Tu peux récupérer une carte de ta défausse quand tu joues. Tu nous l'avais déjà montré. C'est vachement fort. C'est bien. Voilà. Mais pareil, Gobouflobio. Mais donc construit avec du feu, de l'eau. De feu, de l'eau, ça à la limite, ça peut passer. T'as deux types, t'as deux énergies. Bon, d'accord. Donc déjà, t'as largement trop de Pokémon, t'as 30 Pokémon en tout. C'est la moitié de ton deck. Ouais. La moitié de ton deck avec. T'as besoin de mettre KO 6 Pokémon ou tu te fais mettre KO 6 Pokémon. Donc, on va dire, allez, tu peux mettre compter jusqu'à 7. 7 Pokémon vont attaquer. Pas 14. D'accord. Là, t'as largement trop de Pokémon qui ne te servent à rien. En plus des Pokémon qui ne te servent à rien, tu as 18 énergies. 30% de ton deck, c'est des énergies. Ouais. C'est-à-dire que dès que tu pioches une fois sur 3, c'est une énergie. Une carte sur 3 que tu pioches est une énergie. Dans ta main de départ, quasiment, tu vas avoir des Pokémon, des énergies, tu vas piocher des énergies pendant 5 tours. Ça et va être nul. Pourquoi c'est pas bon ? Pourquoi c'est pas bon ? Tu as besoin parce que de base, de... tu dis des Pokémon, des énergies, bah hop, oui, je peux attaquer. Des Pokémon, quoi. Il me faut des énergies. Il faut des Pokémon, il faut des énergies pour attaquer. Il y a un stream ? Il n'y a pas de stream. Il y a un son ? Le stream. Attends, ou oui. Ça ? Il y a le son du jeu de quoi ? Ah bon ? Bah non, on n'a pas de stream. Il n'y a rien qui tourne en roll non, patch non. Là. Ah mince. Où ça ? Mais bah attends, je vais mute le reste en fait. J'ai juste mute tous les autres trucs. T'es sûr ? Fais voir, ouvre le mélangeur. Hop là. Ouais, hein. Bah non, il n'y a, ouais, pas de... Okay. C'est chez toi. Il n'y a pas voilà, de son. Voilà, la régie s'abonne à notre émission maintenant. Voilà. Ah d'accord, autant pour toi, autant pour nous. Très bien mon petit boulot, très très bien. Donc, pourquoi il y a trop d'énergie ? 18, en gros, un deck standard va avoir tendance à en jouer 12 maximum, on va dire. 12 maximum plus 12 maximum quand t'as vraiment besoin. Genre tu tires, c'est à peu près une tous les 4 pioches que tu tires une énergie. Parce que, une toutes les 4 pioches, sachant que ça c'est seulement si tu te bases sur ta pioche de base. Ouais. Tu vas jouer des cartes qui vont te oui, permettre de piocher, sûr, tu vas te tirer des bien cartes. Sûr, évidemment, évidemment. Et t'as pas besoin, par exemple, bon, alors admettons dans ce deck-là, ton plus gros attaquant, ça va être Kyok, qui a besoin de 4 énergies. Ouais. Donc, si tu vois, si t'as besoin de, si t'es dans un deck où t'as des gros attaquants avec des grosses énergies, plein d'énergie de coups en énergie, tu peux avoir besoin en effet de pas mal d'énergie. Un deck comme Nightmarch, par exemple, qui attaque avec une DCE, quand il est joué, il y a 4 DCE dans le deck, c'est tout, c'est 4 énergies. D'accord. Fin. Ah ouais. Le but, c'est d'aller les chercher. Le but, c'est tu vas piocher ton deck pour aller les chercher. En fait, on préfère piocher et piocher l'énergie. Et au pire, jouer 2-3 dresseurs comme l'aide du professeur qui permet d'aller chercher ton énergie dans ton deck. D'accord. Ah oui, mais c'est plutôt, ça, en plus, ça sert à rien. Plutôt oui, que d'avoir une horde d'énergie et espérer de tomber dessus au pif à chaque voilà, fois. Voilà, et, bah là, et du coup, surtout tomber sur rien d'autre voilà, là, tu quand, sur rien d'autre. Quand tu tombes dessus. En plus, pourquoi. Enfin, donc. Déjà, ça, c'est pas bon. Ensuite, dans les dresseurs qu'on a dans ce deck. Bon. On a deux lettres du professeur. Super, on va pouvoir encore plus piocher des énergies alors qu'on a déjà plein d'énergie dans son deck. T'es content quand tu pioches ça. Tu fais « Ah, je vais piocher autre chose qu'une énergie. » Ouais, un truc qui nous donne des énergies. Alors, on a des bons trainers. Hein. Vélocross, c'est un bon dresseur. Ouais. C'est vachement bien. Tu regardes les deux cartes, t'en pioches une, tu défausses l'autre, c'est fort. D'accord, c'est... ouais, c'est pas ça, mal. Ça, c'est bien, voilà. On a un truc bien. On a alors, on a un Evo Soda, tu sais pas pourquoi. Les effets Evo Soda, ça te permet d'aller... Tu vas rechercher une évolution dans ton deck par rapport à un de tes Pokémon qui est en jeu.
Donc en soi, en fait, ça peut être, il y a certains decks qui le jouent, qui te permet en gros, bah alors bah tiens Poussifeu, je vais le faire évoluer en Galifeu. Donc tu joues le dresseur et pof, il évolue. Ok. Alors oui, c'est bien, mais est-ce que t'avais vraiment besoin de ça? Non. Bah, de est-ce, que, est-ce que du coup c'était nécessaire de mettre ça à la place de, tu n'as que 4 supporters en tout, 2 de tes supporters c'est Tierno piège 3 cartes, c'est pas bon. Un de tes supporters c'est Observation du professeur Seco, donc il peut être bien. Bon, je suis pas fan, mais parce qu'il faut lancer une pièce. Ah, tu oui, lances c'est... une pièce, si c'est face, tu pioches 7, si c'est pile, tu pioches 4. J'avoue, entre 4 et 7, il y a une grosse différence quand tu même. Tu as Seigneur et Junior, qui est une plutôt bonne carte, mais qui est situationnelle. Tu peux l'utiliser que si on t'a mis un KO au tour précédent. Ok. Ah, c'est un peu particulier. Donc voilà. Et. Mais... Globalement, toi, ce que tu nous avais montré, c'est qu'en fait, il n'y a pas tant de decks qui utilisent des Pokémon qui évoluent, sauf si l'évolution est très très forte. Sauf si l'évolution est très très forte. On préfère foutre des Pokémon vénères voilà. Direct. Tu la montres très vite. Hein. Hein. Ouais, donc ça. Là, on est parti du postulat de base, il n'y a rien de bien, pas grand chose à sauver dans ce deck. Après, c'est un deck éducatif, ça. C'est un deck où t'as toutes c'est les vrai. Bases du jeu. C'est un deck où t'as les bases, voilà. Mais Et si tu pars dans un monde où tu pioches pas 7 cartes comme tu veux avec des professeurs, tout ça, c'est pas débile d'avoir plus d'énergie parce que sinon tu tombes jamais dessus. Sauf que, oui, d'accord, sauf que le sauf truc, que c'est par exemple cas. Que le professeur qui te fait piocher 7 cartes, c'est une unco que tu chopes n'importe comment. Oui, non, mais voilà. D'accord, non, mais bien sûr. Et que du coup, l'en mettre 4 dans ton deck, c'est la base. Bien sûr, mais c'est juste pour préciser que oui, c'est, voilà. C'est plus. Alors, comment on fait pour rendre ce deck jouable alors? Alors, bah, comment on fait pour là? On vire tout et on va partir sur autre chose. Ok, très bien. Ça va être beaucoup plus simple parce que. Ouais, mais d'accord. Le mec, quand il achète son jeu, il a ça. Quoi. Ah, t'es un truand, en quand fait. Quand tu commences sur tes séjours, en fait, en gros, t'as ça. Et le meilleur moyen de l'utiliser, en fait, c'est. Il y a des tournois de préconstruits qui sont organisés sur TCGO. Oh putain, c'est chaud. Alors, il va falloir passer, comment dire, passer du temps un petit peu à s'ennuyer parce que ça donne pas des matchs super palpitants. Ouais. Sachant que ce deck-là est à peu près le meilleur préconstruit qui est proposé parce ah que oui, quand même. Y a quand même des cartes utiles. Bah, y a un gros prof, y a Kyogre, enfin bref, y a des trucs sauvables. On prend des préconstruits, on forme les tournois, on obtient des jetons, on obtient des boosters et on va pouvoir viser quelque chose de mieux. Ok. Donc généralement, quand on débute, le deck le plus facile à faire, c'est Nightmarch. Pour une raison simple, c'est que des communes, des Unko à récupérer. Et que du coup... C'est fou, hein. Ça s'échange beaucoup plus facilement. D'accord. C'est fou. Hein. Là... T'es quand même un truand parce que juste avant qu'on commence l'émission... T'as dit qu'on allait partir sur un préconstruit pour essayer d'en faire quelque chose de bien. Non, j'ai dit que je partais du préconstruit parce que c'est le degré zéro. Ah d'accord, ok. Donc tu vas quasiment tout détruire là. Ah, bah là on va, là on, en fait on va partir d'un... Allez. On va expliquer autre chose, c'est comment créer un deck. Donc, on va partir de... Pour créer un deck, généralement on veut... Ça c'est toutes tes cartes ça? Non, ce sont toutes les cartes qui sont disponibles. Ah ouais, d'accord. C'est même toutes les cartes qui sont disponibles dans le jeu, voilà. Ah oui, d'accord, ok, oui, voilà, je vois. C'est toutes les cartes qui sont disponibles, parce que ce sera plus pratique pour s'y repérer. Donc, on part du principe, on veut utiliser généralement un gros attaquant. Donc, pour gagner à Pokémon, il faut soit piocher ses 6 récompenses, soit faire que l'adversaire n'ait plus de cartes. Bon, il existe des decks meules, on en avait commenté pour la finale du championnat de France de l'année passée, qui était magnifique, d'ennui. J'avoue. mais on va généralement se baser sur un gros attaquant qui tape fort, parce que c'est vachement bien et que taper fort, c'est cool. Taper fort, c'est bien. Hein. Moi, j'ai toujours revendiqué taper fort. Eh, hein. Hey, mais c'était quoi le focus strat de la semaine, enfin de la semaine, du mois précédent, pardon. L'émission USA est une mensuelle. C'était Groudon. Eh, hey, mais ça tombe bien, Groudon, il a un primo. Oh là là. Waouh, Groudon, il a un primo. C'est d'accord. Vachement bien. Ouais, mais ça coûte cher comme carte, ça, non? Et ça coûte cher, mais justement, on va petit à petit, on va y aller. Donc, Primo Groudon, 240 PV, gros tas. Ouais, c'est un violent lui. Barrière Oméga qui le protège des effets de dresseur contre lui et de supporter. Ah ouais. Invincible. Tu peux pas le descendre quand il est sur ton banc. Ah ouais, par c'est exemple, super tu peux fort. Pas lui faire un maillet pour défausser tes énergies. Ah ouais, c'est super. Voilà, il est protégé, il est sur ton banc, il peut attendre. Ça, c'est le son jeu. Attaque, sans dégâts, s'il y a un stud, tu le défausses, tu fais 200 en tout. C'est John Cena, ouais, voilà. Sûr. T'as pas 200, c'est un gros bourrin. C'est bien. Donc, maintenant qu'on a trouvé un attaquant, vachement bien. Et qu'on se dit que, bah, du coup, on va le jouer. Donc, idéal. T'en prends 12. On en prend 3. Non, en fait, c'est que... Dans ma collection, j'ai pas toutes les cartes. Et que, du coup, là, en fait, les versions grisées, c'est celles que je n'ai pas dans ma collection. Et ah que oui, d'accord. TCGO me... Je pourrais pas le jouer, il le deck. Il va te dire mais... gentiment de les acheter, non? Il me dira gentiment juste que je dis que j'ai pas les cartes et que je peux pas le jouer. Mais pour montrer, pour faire le deck, ouais, y a pas de ça ira très bien. Donc, il en faut 3.
Il en faut 3. On veut jouer Primo Groudon. Bah, pour jouer Primo Groudon, il va falloir quand même qu'on ait un Groudon au-dessus, en dessous. N'importe lequel ou un très alors, spécifique. Bah, celui qui est au format. D'accord. Idéalement. Un Groudon X qui est au format. Ce, par exemple, ce Groudon X là, qui est le même, est au format. Bah, je crois que c'est le full art. Mais, je crois que t'avais mis. T'avais choisi le format avant, donc t'avais mis standard. Donc ils sont tous au format, non? Oui, c'est vrai que je suis en deck building standard, donc forcément ils sont tous standard. Donc tu prends le meilleur de tous les. Attends, prends 3, c'est bon, ils peuvent tous évoluer en primo là. Voilà, ils peuvent tous. En fait, je prends le. Il y a qu'un seul lui, Groudon X déjà format, 130, en vrai. Lui, hein. Puisque l'autre, c'est Groudon X de la team Magma. Qui n'est pas le même Groudon. Et qui du coup ne peut pas primo résurger. Évoluer d'ailleurs. Est-ce qu'il y a la carte? Voilà. Donc on va voir ce Groudon là. On voit que Groudon. Bon. Il a quand même 4 énergies pour attaquer. Il va falloir trouver quelque chose quand même. Il va trouver des Pokémon de soutien. Parce que tout seul, sinon, on va mettre, on va taper un coup de une énergie par tour. Bah, on va mettre 4 tours pour attaquer. Alors ouais, il a 240 PV. Mm. Peut-être qu'avec un peu de chance, il se fait pas one shot. Il se fait two shot seulement. Tu prendras 2 KO. Ok. Mais tu auras passé 4 tours à mettre 2 KO. Ouais, et après, t'es foutu. Ouais. T'en remets. Donc, faut qu'on trouve des Pokémon de soutien. Dans un deck, t'as un besoin de ton gros attaquant et de tes Pokémon de soutien. Okay. Et que c'est comme ça que tu vas te faire ta stratégie. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui va bien en soutien? Qu'est-ce avec qui va bien avec Groudon? Demeteros. Oh bah lui, il va bien avec tout, lui. Pourquoi est-ce qu'il va bien? C'est les mêmes énergies, déjà. Déjà, il est combat, c'est vachement bien. Ouais. Cri de puissance. Attachez une énergie de base de votre pile de défauts à un de vos Pokémon du banc. Ah hey hey, mais ouais. Je vais pouvoir charger mon Groudon comme ça. Hey, mais je vais mettre des énergies dans ma défausse. Ah ouais. Et puis après, oh. Donc en deux tours, t'as un Groudon qui est bon, quoi. En deux tours, déjà, voilà, on est passé de 4 à 2. Ah oui, d'accord. Hey, okay. C'est quand même vachement mieux. Hein. Enfin, techniquement 3, puisque il faut quand même te mettre une énergie sur lui pour taper. Il faut bien connaître les cartes, hein, quand même. Hein. Parce que c'est pas facile de piffer, de se dire quel Pokémon de soutien comme je vais chercher. Comme dans le jeu vidéo, au final. Hein. Bah, ouais, de toute façon, généralement, la meilleure stratégie, c'est tu regardes la liste de toutes les cartes qui sont sorties dans l'extension. Ouais. Tu regardes et tu fais « Ah, attends, ça pourrait peut-être être pas mal. » D'accord. « Ça, je peux peut-être avoir une idée. » Puis après, tu regardes et tu « Ah, bah attends, ça, je peux le combiner avec ça. » Ou « Ah, bah ça, attends, je peux peut-être essayer de voir si je peux en faire quelque chose. » Bon, il est nul, mais tant pis, c'est pas grave. Mais pourquoi non, c'est pas 4 la limite dans un deck? C'est la limite, c'est 4, mais on préfère en utiliser que 3 parce que t'as pas forcément besoin de... Généralement, en fait, 3 pour les ex, t'en mets parce que un ex c'est 2 prizes. Si les 3 ex sont KO, t'as perdu. Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est de base. Là, on peut en mettre 4 pour assurer, être vraiment sûr de start avec, mais 3 Demeteros, c'est pas mal. C'est déjà suffisant. Ça te garde un peu de place. 3 Demeteros pour 3 Groudon. Voilà, 3 Demeteros pour 3 Groudon. Donc là, là, ça te fait quand même déjà 6 Pokémon en tout, 9. Plus les évolutions, 9. Hein. Voilà, donc là déjà on a 9 Pokémon et on a. T'es bien là, t'as pas vraiment besoin. T'as besoin de plus ou encore On peut avoir d'autres Pokémon de soutien. Par exemple, on peut jouer. Soit on peut jouer le classique Shaymin pour piocher, parce que piocher c'est cool. Ah, Shaymin pour piocher. Ouais, Soit on peut jouer d'autres cartes, par exemple, on peut jouer Culbutoke qui sert à bloquer les powers adverses. Pendant qu'on monte le Groudon en arrière, on a Groudon qui est derrière et qui attend son heure. Ouais. On a Culbutoke qui est devant et son pouvoir c'est tu joues pas de power. Donc du coup, toi tu peux pas jouer de Shaymin, tu peux pas jouer donc, comme ça. Et sinon, on peut jouer des Pokémon type Brutalibré qui. Ah oui, il fait quoi déjà Brutalibré? Non, il va taper, voilà. Le bon Brutalibré de préférence. Merci. Donc, Brutalibré, il a pas de coup de retraite, c'est vachement bien, tu vas pouvoir jouer avec. Enfin, tu peux jongler avec, tu le remets en actif, tu repars et tout. Et pour une énergie, il fait 60 au Pokémon X. C'est pas affecté par la faiblesse ou la résistance. Quand même, ouais. C'est toujours vachement bien. C'est un truc comme ça, c'est une carte passe-partout. Généralement, on a tendance à en mettre une histoire de. Voilà. Donc là, on a une base de Pokémon. Bon, on verra si on la retouche après, mais on a une base de Pokémon. Donc après, tout le reste, c'est des dresseurs et des énergies. Tout le reste, ce sera des dresseurs et des énergies. Wow. T'as combien de cartes dans un deck? 60. 60, ouais. T'as vu? Un sixième, c'est les Pokémon. On va commencer par. C'est ouf. On va commencer par mettre des énergies, vite fait, comme ça on sera. Voilà. Il y a vraiment une différence entre toutes ces énergies. Non, c'est juste les énergies différentes, mais il y en a. En fait, TCGO de base te propose certaines énergies qui sont en disponibilité infinie, c'est-à-dire qu'il te fournit les énergies de base. Ouais. Et il y en a certaines d'autres après, c'est. Ah ouais, mais rien, là c'est l'édition, alors celle-là t'as un Steelix derrière, c'est pour ça. Du coup, là, pour le principe, on va mettre les énergies qui sont en infini comme ça. T'en faudrait combien alors là? Alors, donc là, on a un gros attaquant, il nous faut 4 énergies à chaque fois pour attaquer. Ouais. Donc. On va partir sur 12.
8 énergies combat de base, parce que... Bah, ouais. Ouais. Et... Et celle-ci, je m'en souviens. L'énergie renforcée. Donc, ça, c'est une énergie spéciale. Donc, on peut l'avoir que par 4 dans le deck. Ok. Parce que c'est une énergie spéciale. Les énergies de base, c'est. En fait, dans Pokémon, t'as pas le droit d'avoir plus de 4 fois la même carte. Sauf les énergies de base qui sont considérées comme. Des... Oui, ouais, normal, ouais. T'as le droit d'en avoir plus. Okay. Parce que pour et pouvoir jouer. Toutes les autres cartes, toutes c'est 4 au max. Max. C'est 4 au max. Et du coup, l'énergie renforcée, ce qu'elle fait, c'est que les Pokémon combat, ils font 20 dégâts supplémentaires. Ah bah ouais, volontiers. C'est pas mal. Tu peux l'attacher qu'à un Pokémon de combat, bah ça tombe bien. C'est que Brutal Libre fait 80 sur les Pokémon X gratuitement comme ça. Brutal Libre il est passé à 80 sur les Pokémon X. Grenouille il tape à 220. 220. Deux énergies, 240. 240 tu one-shot tout. Pourquoi Go Space Zeal 240 tu one-shot tout le jeu mis à part Wailord X. Donc, tu peux les mélanger avec les énergies de base. Tu peux les mélanger avec les énergies de base. Alors, tu peux avoir deux énergies renforcées, deux énergies combat. Et les effets se cumulent. Si tu as deux énergies les renforcées, tu fais plus 40. Oh là là. Donc pour ça qu'on c'est la joue, chaud, parce que c'est une bonne carte. C'est fort. Chaud. Oui, c'est donc là, on a à peu près fait le tour des énergies. Donc on a 22 cartes. On a 22 cartes. On a 38 cartes à rajouter. Il nous reste 38 cartes à rajouter. Oh, 38 cartes, mais là, tu vas pouvoir te blinder. Qu'est-ce qu'on va pouvoir du coup rajouter pour des. Plein de pioches. De la pioche. Donc. En fait, dans un deck, il faut si principalement prendre des Pokémon qui utilisent les mêmes énergies. Tu peux vraiment taper... C'est... Voilà, parce que ça c'est permet du coup de gagner t'as de la place. T'as vraiment tapé pioche ouais. Non, t'as pas tapé pioche. Non, j'ai tapé platane. D'accord, ok. J'ai tapé platane. Ta pioche, il donne toutes les cartes qui te permettent de piocher. Platane. Tu peux aussi jouer des Pokémon qui n'ont pas le même type, mais défausser votre main, piocher cette carte. Défausser votre main, piocher cette carte. Juste pour leur capacité. Voilà, il y a des Pokémon que tu peux jouer juste pour leur capacité ou pour... Par exemple, Kulbutoki, il est psy, mais on pourrait le jouer dans ce deck parce qu'on va pas attaquer avec, on veut juste utiliser sa capacité. Donc, si j'ai bien compris, ça c'est parfait parce que non seulement tu défausses, tu pioches 7 cartes donc tu rattrapes plein de cartes, mais en plus tu mets des cartes dans ta défausse que tu vas pouvoir aller rechercher avec l'autre Pokémon. Tout à fait. Ouais, c'est parfait, la vie est belle. En fait, tu défausses rien du tout. Voilà, avec cette carte. La vie est belle quand même. Donc, de base, voilà. 4 platanes. Platane. 4 platanes. Tu plantes un platane, 2 platanes, 3 platanes, 4 platanes. Ah ouais, tu plantes un platane alors. Voilà. Là, c'est la forêt qui ça, c'est la base pour tout deck de toute façon, quoi qu'il arrive. Platane. Ensuite. Cette carte existe depuis le début. Hein. Ah ouais ? Au tout début, c'était Professeur Chen. À chaque fois, c'est le professeur. Voilà. Au début, c'était Professeur Chen. Après ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut rajouter dans un deck ? Alors, on s'en. Ah bah ouais, je m'en souviens. Ouais. Comment on joue avec le combat ? Attends, on va prendre la non-foulard parce qu'on pourra mieux lire. Tu recoches la case, non ? Voilà. Donc. Ah ouais. Cornelia, c'est notre supporter. Cherchez un Pokémon combat et une carte objet dans votre deck. Montrez-les, ajoutez-les à votre main. Oh, pour un supporter, je vais chercher un objet, un Pokémon combat. Sachant qu'il est t'as juste à les montrer à ton adversaire, quoi. Parce que quand tu fouilles dans ton deck et que tu dois récupérer une carte spécifique, tu le montres à ton adversaire. Ouais, pour être sûr que tu ne triches pas en soi, en fait. Voilà, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, normal. Voilà. Un truc qui n'existe pas dans d'autres jeux de cartes virtuelles dont je ne citerai pas le nom parce que c'est un jeu maudit. Mais. Voilà. Donc. T'en prends que 3. Là, on en prend que 3 parce que bah, c'est un supporter bien, mais c'est bien au début pour pouvoir. Tu cherches ton Pokémon, tu cherches tes objets pour pouvoir te développer et tout. Deux trucs là dans ton deck. Tu cherches Groudon finalement. Et t'as que 3 Groudon finalement. Voilà, tu cherches Groudon. Tu cherches. Là, t'es même pas la moitié. Tu cherches des météores. T'es même pas la moitié de ton deck. Qu'est-ce que tu vas remplir ensuite ? Qu'est-ce que tu vas remplir ensuite ? Là, il est presque la moitié. Hein. Il a 29 cartes. Autre supporter passe-partout qui est vachement fort. Lissandre. Lui, on le voit partout. Lissandre. Tu prends un Pokémon du banc, tu le mets en actif, et puis t'as tendance à du coup aller le tuer comme ça, enfin le mettre KO comme ça, hop, et prends 200 dans ta tête, t'es KO, allez, merci de voilà, prendre. Hop, au revoir. Donc, on a tendance à en jouer deux. C'est super agressif quand même, t'as rien pour mettre la garde, défendre ou je sais pas, un truc comme ça, au cas où il y a une attaque puissante qui arrive. Alors, deux choses. Un, Groudon, par sa barrière Oméga, tu peux pas le lissandre par exemple, tu peux pas le. Donc. En gros, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir ton Demeteros en actif, tu vas taper avec, c'est lui qui va tanker. Il va servir un petit peu de bouclier à ton Groudon pendant que tu le charges. Mm. Demeteros se met KO, tu t'en fous, il a fait son boulot. Il t'a remonté des énergies. Une fois que Groudon est prêt, il arrive sur le terrain, il tape. 240 PV, donc t'as une faiblesse plante, à moins que tu tombes contre un deck plante, tu te fais péniblement one shot. Ouais. T'as facilement 2 KO à prendre. Donc tu prends 2 KO, 2 ex, 4 prix. Voilà. Mais surtout, en plus, finalement, Demeteros, c'est une seule récompense. Et Demeteros, c'est pas un ex, voilà. Donc du coup, c'est-à-dire qu'après, tu peux quand même faire tomber 3 Groudon KO, deux Groudon KO avant que l'autre gagne. Voilà. Donc, mais, moi, juste une question là, t'es quand même super, on va dire, assez limité en énergie, aussi limité pas mal en Pokémon. Il y a toujours 6 cartes que tu dois mettre, les cartes retournées. Imagine, t'as pas de chat parmi ces 6 cartes, c'est la moitié de tes énergies ou alors quelques-uns de tes Pokémon. Ah bah, alors, c'est chaud, non ? Bah, ça, c'est comme tout. Si c'est comme ça, bah, t'as pas de bol pour le coup. Si c'est 6 énergies. Mais t'as rien. T'as, je veux dire, si tu peux.
tu peux pas prendre des cartes ou au moins savoir où sont, quelles sont les cartes qui sont retournées, alors, un truc comme ça qui peut te servir au cas où tu fasses un KO, justement t'ailles reprendre les cartes dont t'as vraiment besoin quoi. Il existe une carte qui s'appelle... Moi je déteste perdre parce que juste j'ai pas de bol et les cartes je peux pas les avoir. Il existe une carte qui s'appelle carte. Elle s'appelle carte. Ça ne s'invente pas. Elle s'appelle carte, d'accord. Tu mets tes récompenses face visible. Oui, comme d'accord. Ça, quand tu prendras un KO, tu verras, tu peux choisir ce que tu prends. Après, si c'est elle qui est en face retournée, tu... mais, enfin, mais au moins ça te fait une carte de moins, ça te fait une carte de moins utile. Voilà. Dire, ouais. Voilà. T'sais, des cartes comme ça, ça je sais pas, au moins mettre une, en avoir une, c'est pas. Alors, il y a des gens qui la jouent. Il y a des gens qui préfèrent ne pas la jouer parce que comme ça, tu permets de jouer une meilleure carte qui te permettra de piocher et tout. À 60 cartes quand même dans le jeu, ça fait une sur 60. Ah bah oui, mais c'est toujours une carte. Juste pour avoir la garde au cas où vraiment t'es baisé. Je te montrerai une fois qu'on aura fait ce deck. Là, je te montrerai vite fait le deck Marche Nocturne. Dans les 60 cartes, il y en a, mis à part les énergies, quasiment et les Pokémon pour attaquer, il n'y a rien qui fait pas piocher. D'accord, ok. Carte, ça fait pas piocher. C'est ce qui fait la différence. Ça, c'est un deck. Il est en train de faire un deck 31 IV, tu vois. C'est pas un deck, voilà. C'est pas un deck 30 IV. Voilà. Là, on fait de l'optimisation. Enfin, en tout cas, on veut faire de l'optimisation. Je connais la chatte à Verdier. Hein, dès que je joue à ça, t'as toutes les chances pour que. Ah, bah oui, mais de toute façon. T'as toutes les chances pour que j'ai 3 Groudons. Ils sont dans les cartes retournées, et je peux jamais jouer mes primos toute ma vie. Tu vois. Et bah ça, figure-toi qu'il existe une solution, mon bon monsieur. Ah, merci, voilà. Je veux savoir. Ah. Oh, ruse de Max. La ruse de Max. Placez un Pokémon d'un combat de votre pile de défaut sur votre banc. Ensuite, piochez 5 cartes. Okay. C'est la carte que tu peux ne jouer que si c'est la dernière carte de ta main. Donc si seulement si t'as une main vide à côté. Okay. C'est l'inconvénient de la carte, mais c'est un supporter. Tu peux passer un Pokémon de combat de ta pile de défausse. Un Pokémon de combat, mais n'importe quel Pokémon de combat. Oui, tu peux passer directement Primo Groudon. Même évolué. Ah tu peux passer directement un Pokémon évolué sans passer par les cases en dessous. Pratique ça. Ah ouais. On a le droit de faire des choses comme ça. On a le droit de faire des choses comme ça avec ce supporter. Ah, c'est là que tu sens que le jeu est quand même bien, tu vois. Voilà. Quand tu commences à pouvoir mettre des Pokémon dans la défausse et les remonter par magie et tout, ça commence à devenir intéressant. Voilà. Tu vois. Donc, là, niveau supporter... Mais c'est complètement pété. On t'en prends qu'une seule. On en prend qu'une seule parce que c'est une carte qui est hyper compliquée à jouer en soi. Ouais, c'est vrai. Et que tu vas avoir tendance à plus facilement la mettre dans ta pile de défausse et ensuite la remonter pour pouvoir la jouer quand tu auras l'occasion de la jouer. Ouais. On va finir vite fait les supporters. On cherche encore un peu de pioche. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme carte de pioche? Professeur Seiko, gros prof. Il est énorme, mais... Il est énorme, voilà. Il y a la version... il y a la version moins grosse, donc qui permet de piocher. Ouais, mais attends, en fait, c'est la même que l'autre, juste, c'est pas la même, parce qu'elle porte un nom différent, mais elle fait le même effet, donc tu peux reprendre 4. Non, c'est pas le même effet. C'est quoi les... C'est-à-dire... Non, ça, c'est pas piocher 7. Hein. Mélange ta main dans ton deck, lance une pièce, si c'est face, tu pioches 7, si c'est pile, d'accord. Voilà. J'ai vu pioche 7, je me suis dit, c'est exactement la même, j'ai la même carte que l'autre. Non, il y a pas de... À un moment, il existait Professeur Platane et Professeur Ketelaria au format. Ouais. Mais ils avaient quand même été malins. Tu pouvais jouer que l'un ou l'autre, pas les deux. Ouais, oui, d'accord. Tu pouvais pas faire j'ai 8 supporters qui me font piocher 7. Parfois ils mettent des clauses pour préciser ce genre de règles. D'accord. Mais à la base, les joueurs de jeux de cartes comme ça, en général, c'est le nom de la carte qui fait la carte en fait. Ok, bon, ok. À part que dans Pokémon, forcément, c'est pas le même Pikachu. Enfin, si on regarde les Pokémon, si je me trompe pas, il y a écrit leur niveau en bas aussi. Non. Oui, mais ça n'a plus aucun. Ça a aucun... C'est-à-dire que... Il peut y avoir deux fois le même niveau. Oui, mais en fait, en soi. Pour deux cartes différentes. Tu n'as pas le droit de jouer quatre cartes qui ont le même nom. Par exemple, Pikachu, si tu as deux Pikachu d'éditions différentes, c'est les mêmes, ils ont le même nom. Oui. Donc tu peux en jouer deux, trois, mais c'est pas un, la 4. Même en fait. Mais c'est pas la même carte, mais. Mais il y a plusieurs types de Pikachu aussi. Oui, parce que dans Magic, par exemple, le nom de la carte fait foi de l'effet de la carte, en fait. Oui, d'accord. C'est-à-dire que si tu as bousillé ta carte et que tu vois juste le nom, tu peux dire de base ce que ça fait, parce que dans les règles, il y a écrit... Ça vaut ça pour les dresseurs, c'est le cas, en fait, dans Pokémon. Oui, pas pour les Pokémon, non, parce que comme ils sont... Il y a qu'un nombre fini de Pokémon et qui sont réédités, mais par contre, pour les dresseurs, le nom du dresseur, en fait... Quand le dresseur est réédité, s'il a le même nom, on utilise la dernière version du dresseur. D'accord, très bien. Donc, juste pour finir dans les Pokémon, dans les supporters de pioche, on a Top Dresseur, qui est un truc qui peut s'utiliser que si t'es en retard aux récompenses, que si ton adversaire il lui reste moins de récompenses que toi. Ok. Et on va avoir tendance à envoyer un des météoros pour tanker et en attendre un petit peu. Donc, c'est vachement bien. Chaque joueur mélange sa main dans son deck. Tu pioches 6, il pioche 3. Oh, c'est vraiment bon, voilà. Donc on va avoir tendance à jouer ça comme ça, parce que
parce que c'est gratuit, que c'est pas un... ça, j'aimerais, ça peut toujours se jouer. Je déteste ce genre de truc. Donc maintenant qu'on a des supporters, en fait. Qu'est-ce qui est vachement bien avec des supporters? Okay. C'est qu'ils supportent. Des cartes pour remonter ses supporters. Oh là là. On joue des charges VS parce que tu remontes ton supporter dans ta main. De ta pile de défausse. Oui, parce que tu risques de défausser quand tu utilises le professeur, tu défausses ta main. Et du coup, comme ça, bah, Uru, il est dans ma pile de défausse. Parce que comme ça, tu peux le jouer à tout moment. Donc, ça, c'est pareil. Charge VS, c'est une carte qui se joue en 4. Ouais, je vois. Tu vois, on est déjà monté à 39. Ouais, ça va vite, hein. Ça va vite, ça va vite. Donc, maintenant qu'on a à peu près ça, on a une base de pioche assez sereine. Ah ouais, là, ça va, là, tu peux tirer. On est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on rajoute? On va rajouter de quoi chercher des Pokémon maintenant. Bah, parce qu'on a Cornelia pour en récupérer un petit peu. Mais bon. Voilà, tu récupères surtout des cartes, on sait pas trop forcément. C'est... Tu récupères deux. On va jouer du coup Hyper Ball. Les publiés Hyper Ball, ouais. Défausse deux cartes de ta main. Ah zut, alors je vais défausser des cartes. Je vais défausser donc je peux les jouer quand je veux. Ça, c'est un peu voilà, ça c'est à peu près ça. Cherche un Pokémon. Oh bah c'est bien comme carte. On va le jouer. D'accord, encore en 4 exemplaires. En 3. Parce que t'as... On a 10 Pokémon en tout. Oui, on n'a pas j'avoue. Besoin énormément de piocher. Ouais, enfin, de choper les Pokémon. Donc, qu'est-ce qu'on continue à avoir? On joue Groudon, c'est une méga évolution. Ouais. Il y a une règle sur les méga évolutions, quand tu méga évolues, c'est la fin de ton tour. C'est pas sympa ça, j'ai pas vraiment envie. Oh bah attends. Ah oui, il y a cette règle-là, c'est terrible. Ah mais attends, il existe une carte qui empêche ça. Non. Votre tour ne se termine pas si vous méga évoluez. Non mais non, c'est interdit. Ah bah c'est craqué. On peut juste pour Primogré Groudon. Les dresseurs, on peut en jouer autant qu'on veut par tour. Oui, les dresseurs, tu peux en jouer autant que tu veux par tour. Oh là là. Ah ouais. Mais alors ça c'est un... Ça c'est un... Ouf, outil. Donc faut que tu l'attaches à ton Primo Groudon. Ok. Donc oui, d'accord. Non, bah juste tu le poses, bah les jouer quoi. Voilà. Oui, mais c'est-à-dire que tu peux pas avoir d'autres outils sur ton Groudon du coup. Oui, non, mais on est d'accord. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Oui, mais ce que je veux dire, t'en prends un par Groudon et puis voilà. Voilà. Mais par exemple, tu pourrais avoir envie d'avoir d'autres choses. Comme le truc qui tape à 20 là, enfin qui rajoute des dégâts. Alors, tu pourrais avoir envie de rajouter des dégâts, sauf que ton gros taille tape déjà entre 200 beaucoup, et 240. Oui. On peut se dire que c'est sympa de vouloir faire le plus de dégâts possible. Mais ça sert à rien. Mais ça sert à rien. Ouais. On peut par contre, du coup, vouloir prendre moins de dégâts. Gris protecteur. Un peu de garde. Tu fais, justement, tu te défends un peu. Tu prends moins 20. Ah ouais. C'est... Bah, c'est un, sur, ça sur m'a un, l'air... Sur un, en fait, sur un outil, ça peut être pas mal. En soi, t'as un gros tas qui tape à 240. Les attaques qui peuvent te one-shot en dehors des Pokémon plantes, pas des masses. Pas assez d'évolis. Quasiment pas. Il n'y a pas assez d'évolis, non. Il n'y a pas assez d'évolis, oui, mais ça... Donc, on peut vouloir en jouer parce que ton Groudon va être encore plus difficile à mettre KO. D'accord. Tout ce qui est difficile à mettre KO, c'est une bonne chose. Ouais, toi, tu veux minimum te faire 2 HKO, voilà. On s'en fout, ou alors attaquer fait, avant. Ton but, en fait, c'est de mettre 2 KO. Si ton Groudon, il a pris 2 KO avec ce deck-là, c'est bon. D'accord, ok. T'es tranquille. Il reste 14. Tu vas pas jouer de... 4, tu vas pas non, forcément 13, jouer de régénération, 13, oui, un truc 13. Comme ça. Non. Ce que tu vas jouer, par contre... Ton... Ton Groudon, il a 4 de coups de retraite. Ouais. Bon, c'est relou. Si tu veux te battre en retraite, tu utilises les échanges. Échange, c'est une carte standard que tu mets partout. D'accord, ok. Hop, ouais, on en met 3 parce que c'est des coups de retraite. Voilà, sur des coups de retraite, c'est juste pour éviter le KO, éviter de te faire prendre 2 cartes. Éviter de mettre KO, voilà, éviter qu'on t'a mis au premier tour, on t'a mis un licence sur ton gros Groudon qui n'a pas encore été primo. Ouais. Il te sert à rien, tu fais bon. Alors soit tu le regardes dans le blanc des yeux et tu t'attends 4 tours pour pouvoir t'attaquer ouais, avec. J'avoue, en fait, soit tu fais ah bah attends échange et je vais c'est Météros. Ça, peu de Pokémon, peu d'énergie et des cartes. Les dresseurs sont là pour couvrir les situations possibles voilà, en fait. Couvrir toutes voilà. Les situations de l'histoire. Et voilà, et alors là en gros on a une base de deck. Donc on a 50 cartes. C'est ça. Et après il t'en manque 10. Un peu. Il nous en manque 10 et du coup les 10 qui restent c'est à peu près ce qu'on préfère vouloir faire. Donc bah, on peut vouloir avoir. Il faut des terrains pour Groudon, t'as pas 200 non? Et oui, c'est bien. Tu suis, j'allais y arriver. Ah, je suis trop fort. Et il est fort. Et t'as vu? Quel talent. Donc, en vrai. Hop. Stade. Les stades. Moi, je dis... T'as tous les terrains de l'univers, là. Donc ça, c'est tous les terrains de l'univers. Donc... Ah ouais. Du format, hein. Du format. Terre brûlée. Une seule fois pendant votre tour, vous pouvez défausser une énergie feu au combat, piocher 2 cartes. Oh zut, je vais défausser des énergies combat. Ouais. Ah merde, qu'est-ce que je vais en faire de ces énergies combat? Si seulement je pouvais les remonter à mon Groudon. Si seulement la défausse. Si seulement la défausse, c'était pas Père Noël avec. Hop, on en met 3. Okay. Comme ça, c'est bien. Et puis, ce qu'on peut jouer aussi, puisqu'on n'utilise pas vraiment de. Ça optimise pas mal. On n'utilise pas vraiment de pouvoir, nous.
On a les capacités, les talents, on l'utilise ouais, pas. Bah oui, le talent de Primo Groudon, et ça, c'est. Non mais le, c'est mais pas. Il sert un... pas à attaquer. En fait, non, le... c'est pas un talent l'oméga barrière de Primo Groudon. C'est quoi? C'est un alpha trait, un ancient trait, je veux dire, ce qui est la traduction française m'échappe, mais en gros, en fait, c'est un talent qui n'est pas un talent. Ils ont un. Il est pas au même endroit sur la carte. Il est pas au même endroit sur la carte. Okay. Un talent, c'est. C'est juste. C'est un truc en plus pour les Primo. En fait. C'est autorisé. Bah non, pas pour tous les, pas pour les primos, même c'est pour certains Pokémon comme ouais, ça. Regarde. Par exemple, tu vois, Brutalibré, le talent il est là. C'est un talent. D'accord, oui, c'est ça, oui. Primo Groudon, ça s'appelle Barrière ah, oui, Omega. D'accord, c'est, okay, tu vois, oui, c'est pas la même chose. Ok. Yes, donc du coup, on peut jouer en plus en stade. Très bien. Ce stade qui fait ah bah tous les Pokémon de base ils ont pas de talent. Ah bah Shaymin c'est un Pokémon de base. Ah ouais, mais il a pas de talent. Ah bah du coup, tu pourras pas piocher avec ton Shaymin. Ok. Ah merde. Ah bah tiens, bah, en fait, je vais en jouer deux, c'est vachement bien, comme ça je vais t'embêter. Ok, d'accord. Voilà. Comme et... toi c'est pas un talent mais que c'est quand même un talent, ça t'affecte pas. Toi ça t'affecte pas, lui ça l'affecte, merci, au revoir, à bientôt, on n'en parle plus. Et voilà, voilà. T'as quasiment tes 60. T'as quasiment tes 60. Ouais. Si t'es parano, tu peux te dire que bah tu vas te jouer une lettre du prof. Histoire de rajouter ouais, voilà. Celle qui te permet de choper une énergie. Voilà, c'est ça, ouais. Si t'es parano, tu peux faire ça. Et après, après il te reste 4 cartes, et dans tes 4 cartes, tu te dis si tu préfères alors AZ, c'est un supporter. Tu prends un Pokémon, tu le remets dans ta main. Okay. Donc si jamais t'as un gros Groudon qui dit ah bah attends il va mourir, bon bah ok. Ouais, ça si peut jamais... servir. Tu vois, il y a plein de cartes. Si jamais tu te dis il y a des baseballs. Mais là tu vas pas rajouter d'énergie, tu vas pas rajouter de Pokémon. D'énergie et Pokémon, tu... ça c'est a priori ça va pas bouger. D'accord. Ce qui va bouger c'est le reste. Et, tu peux jouer. Avoir envie de jouer Dame du sang de Pokémon, tu soignes 60 Pokémon, 60 dégâts parce qu'elle Pokémon. Est mignonne, voilà. Voilà. Non mais c'est exactement ça en fait. C'est tu vas. Choisir maintenant dans les 4 cartes qui te restent si tu préfères embêter l'adversaire en défendant ses énergies, si tu préfères assurer plus de sorties, empêcher l'adversaire de jouer un supporter qui empêche l'adversaire d'avoir des pouvoirs pendant le prochain tour. Après tu t'as juste à faire fonctionner ton deck et voilà. Tu vois un peu situationnellement ce qui te fait chier le plus possible fait. Et ensuite tu rajoutes ces cartes pour éviter exactement ça. Et juste pour finir du coup, parce qu'en gros là le concept du deck c'est prends un attaquant. Ouais. Tu l'entoures. C'est ça. Et tu. Et ensuite tu. Et tu tapes avec. Et tu tapes donc, avec, ouais. Juste comme ça pour montrer. D'accord. Le deck Marche Nocturne. Donc, Marche Nocturne, on a les attaquants. Ouais. On a Milobelus qui est là pour remonter les énergies. Enfin, remonter des cartes de la pile de défausse. On a Shaymin qui est là pour piocher. Ouais. Donc, ensuite, carte de pioche. Alors. Courrier du dresseur, tu vas récupérer un dresseur dans les 4 cartes du dessus de ton deck, ça te fait piocher. Ouais, Ultra Ball, tu vas piocher Shaymin, ouais, tu vas piocher. C'est construit quasiment pareil en fait. Vélocross, tu vas piocher. Ouais. Platane, tu vas piocher. Et après le reste, c'est tu fais des dégâts en plus, tu d'accord. permets d'attaquer, tu vas chercher un KO. Voilà. Tu pars quelques éventualités, d'accord, ok, ouais. Le deck est basé vraiment en je pioche, tu vois, il n'y a que 4 énergies pour attaquer. Je vais les piocher. Je m'en fous, je vais les piocher. Je vais jouer 3 Shaymin dans mon tour, je vais jouer des réducteurs de combat pour vider mon deck. Je vais piocher. Et voilà, et c'est aussi ça. D'accord. Ah ouais. Et là, le deck que t'as construit là, dans la réalité, il faut combien de sous pour le créer ce deck là? Alors celui-là ou le celui qu'on a créé là, celui qu'on a créé. Alors comme il y a des primo Groudon, c'est un peu compliqué. Dans la réalité, il faut avoir ces DX et des primo X. Sur TCGO, ça va être galère parce qu'il va falloir trouver des échanges. En fait, quand tu vois sur le, tu as une liste des échanges qui sont disponibles. Et les gens ont tendance à échanger les cartes contre des boosters, contre des tu vois, ouais. On échange telle carte contre des boosters, telle carte contre des boosters et compagnie. Donc tu vas devoir en fait, ce que tu fais, c'est généralement tu farmes les boosters en faisant des petits tournois, les tournois avec les decks préconstruits, que tu peux gagner puisque tu as les mêmes decks que les adversaires. Ouais. Et c'est très fastidieux de commencer par un deck avec plein decks et compagnie parce que tu vas avoir du mal. Le conseil généralement c'est de commencer avec Marche Nocturne parce que Marche Nocturne, même si t'as pas de Shaymin, tu peux jouer avec. C'est vrai. Et en dehors des Shaymin, il n'y a rien de compliqué à trouver. Tous échangent, tous contre un booster, deux boosters grand max, t'as toutes les cartes du deck à peu près. Ouais, je vois, c'est juste les primos qui sont chiantes à avoir. Voilà, et donc là, typiquement, le Groudon, un Groudon, c'est un primo Groudon en vrai, c'est. Il y a eu une dizaine d'euros à peu près. Ouais. Donc voilà, t'as 30, 50. Ouais, vite fait, 100 balles, quoi. En fait, en soi, tes Pokémon tournent à peu près dans les 50 euros, mais le reste, c'est. Des cartes de. C'est des cartes que tu utilises dans tous les autres decks, à peu près. Mis à part Corina, qui est le supporter. Cornelia, qui est le supporter combat, que c'est ça que tu utilises que pour les Pokémon combat. Le reste, Platane, Lissandre.
Cherche VS. Sinon, quand même, tu fais que des decks combat. Ah ouais. Les cartes, les dresseurs, en fait, c'est une base qui va pas te coûter très cher parce que bah, c'est des unco. Donc, ça se trouve très facilement et du coup, ça se vend pas cher à l'unité sur internet. Et sinon, tu peux faire des échanges directement là et en fait, en déboursant sinon... rien, si tu as passé un peu de temps, peut-être tu peux les trouver tous. Ah bah, en soi, regarde, tous les dresseurs, tu rien que. Il y en a qui vendent la primo, qui demandent à l'échange primo Groudon. Ah bah, si tu veux qu'on regarde, alors primo Groudon, ouais. Allez. Vas-y. Alors. Vas-y, est-ce qu'il y en a un, il l'échange, la primo Groudon. Est-ce que je peux l'avoir et contre quoi je peux l'avoir appliquer. Alors, Groudon. Ou est-ce qu'on peut tricher avec la version et faire PKX. Tu peux pas tricher, mon bon monsieur. Ah, il y en a. Ah non, il y a Chemine. Ouais, non, mais si. Il y a Groudon et X, d'accord. Ah non, il y en a qui en veut un contre un truc. Voilà, par exemple, là, il. Attends, une fois qu'il a fini de. La cherche, hein. T'en as plein des. Donc, lui, il te propose. Alors, contre un Darkrai Full Art. Donc, Darkrai Full Art, forcément, c'est une carte rare parce que c'est plus édité. Mais tu vois, donc lui, il te propose plein d'ex contre des cartes super rares. Bon. D'accord, ok, voilà. Okay. Putain. Alors, un truc moins rare. Ah, le prix des échanges. Il veut un Raichu, quoi. Non, c'est voilà. Le Raichu. Tu lui donnes un Raichu, de normal. De la Prismophilie. Un Raichu XY, donc c'est juste une rare. Mm. Tu récupères un Groudon ex. Ok. D'accord. Récupérer une ex, contre une rare. Voilà. Le mec, il en a trop, tu sais. Tu te débrouilles. Non, mais c'est ça. Tu te débrouilles, tu passes du temps à chercher les bonnes affaires. Ça, c'est une bonne affaire, techniquement. Sinon, t'achètes et tu pries, c'est ça. Les boosters et tu pries. En fait, voilà, mais c'est beaucoup plus rentable d'échanger directement. D'échanger tes boosters. C'est-à-dire, par exemple, là, il y a quelqu'un qui échange un 6 boosters contre un Groudon Full Art. C'est plus rentable, t'as plus de chances d'échanger tes boosters contre boosters des vraies cartes. Les boosters que tu dois échanger, tu dois pas les ouvrir. Non, tu les ouvres pas du coup. Mais du coup, tu sais jamais si. Ah bah, tu sais jamais, mais. Mais si par jamais exemple... t'avais eu une super carte dans ton booster. Alors, oui, certes. Ou 6 super cartes. D'accord. Non, mais là, t'es sûr. Non, mais en fait, le truc, c'est sûr d'avoir ce que tu veux l'avoir contre un truc qu'on sait pas. Par exemple, l'extension où t'as. Et un booster, il y a combien de cartes ? Il y en a 10. L'extension. Ça fait 60 cartes contre une seule que tu as peut-être dans tes 60 cartes. Non, alors, dans les 60 cartes, tu en as 40. Donc, en fait, t'as 6 rares en tout ? Ouais. T'as 6 rares parce que t'as une rare par booster, 3 unco. Une rare par booster. Une rare, 3 unco. Et 6 communes. Tu vas donc t'as 60 tu vas te retrouver tellement vite avec des t'as 36 des communes des quadribes de cartes qui te servent à rien. Alors que là c'est bête, ouais. Hein, l'extension Primo Groudon, il y a 140 cartes dedans. Dans les 140 cartes, t'as 14 ex, tu vois. Il y en a deux qui t'intéressent, c'est ça. Les ex, c'est une à peu près toutes les 7-8 boosters. Donc oui, techniquement, si t'échanges 6 boosters contre un Groudon, tu peux être perdant. Mais en vrai, ta probabilité d'avoir Groudon dans tes 6 boosters, elle est tellement faible que c'est largement rentable. Mmh. Ah bon ? C'est ça. Parce que toi, tu veux si juste on Groudon, te propose, ça. En fait, c'est... on te propose d'avoir ton Evoli Shiny full IV parfait. C'est ça. tu fais « Ah ouais, mais c'est bon, moi je peux l'avoir ça, facilement, et je peux faire mes œufs. » Voilà, sauf qu'on te dit « Ouais, échange, mais tu peux ne pas l'avoir à le chercher. » C'est ça. Tu gagnes 4 heures de ta vie. Voilà, c'est exactement ça. Imagine, t'as 400 œufs et on te dit « Je t'échange tes 400 œufs. » C'est un peu comme le légit, pas légit dans les cartouches, les gars. Non, là tout est légit. Oui, c'est ça. Oui. Merci, non, voilà. C'est exactement ça. C'est pour ça que dans les cartouches, on devrait l'avoir. Dans les cartouches. Voilà, point final, c'est bon. Merci Mizu. Il arrive à ramener mais ça non, tout le mais temps. Vous êtes ou pas merci pour Mizu. Le gain de temps, donc parole pour le Pokédex dans les cartouches, non ? Parole innocente d'une personne pure et voilà. Mais ça existe, tu peux très gueule, bien dans la cartouche putain. Aussi échanger un Pokémon qui a été breed honnêtement contre un autre truc que tu as. Et puis voilà, bah, alors tu, pourquoi tu n'acceptes pas les shiny qu'on veut t'échanger ? Parce que tu les veux toi-même. Alors, j'en accepte quelques-uns, non ? J'en accepte quelques-uns. Mais la plupart, tu les veux toi-même. J'en accepte. Donc, tu préfères 10% perdre ton temps. J'accepte 10% de shiny échangé. Bah oui, parce que ce qui est beau avec le shiny hunting, mais c'est là, la chasse. Mais là, tu veux jouer. Bah oui, et alors ? Je suis pur. C'est comme ça. C'est une façon de nous dire que c'est bientôt la pub, c'est ça ? C'est en est. Oui, c'est vrai. Exactement. C'est on va juste rappeler la question du jour. Merci Maf, en tout cas, pour la préparation et l'analyse de comment créer un deck. Je vais on peut créer me mettre ce deck à TCGO sur les pauses midi. Comment ? Peut-être me mettre à TCGO sur les pauses complètement, midi. Complètement. Hein, tu devrais essayer. Deck Evoli, attention. C'est mieux que Hearthstone déjà. Le GAMU, il est gratuit de base. Hein. Tu sais, tu peux jouer gratuitement. Moi, j'aime bien les jeux gratuits où je peux jouer gratuit. Bah, tu peux jouer gratuit. Après, si tu joues beaucoup gratuit, tu peux construire des decks de plus en plus puissants. Bah, il est en français. Il est en français le jeu. Il est en français le game.
C'est les règles. Sont... Alors de base, il y a un didacticiel. Les... Ils te font faire le didacticiel quand tu installes le jeu. Enfin, la première fois, quand tu crées ton compte. Même pour toi, Paul, qui est très limité, te. Non, mais le... non, mais t'as une super animation c'est... de coin flip. C'est un jeu. Qui déchire. C'est un jeu de cartes. Il n'y a pas plus basique que le jeu de cartes Pokémon, hein, sans déconner. Tu sais, on vendait la cartouche du jeu vidéo de cartes Pokémon à des enfants de 5 ans qui arrivaient très bien y jouer. Donc je t'assure, Pokémon, tu peux y arriver. C'est encore plus simple que Hearthstone. Je suis sûr, Hearthstone, c'est dur à jouer. Mais non. Oui. C'est que de la chance. Bref, rappelons la question du jour rapidement, oui. Qui est aujourd'hui une question RAF, où vous avez un Yveltal Shiny possible à gagner avant de passer à la partie 2 et les news. Combien de mini-jeux de la saga Pokémon Stadium nécessitent d'utiliser 2 touches ou moins? Sachant que les directions comptent chacune pour une touche. Pour une touche, gauche compte pour une touche. Donc allez pas me sortir que le stick il compte pour une seule touche, non. On a très bien compris le sens de la question. Yveltal Shiny a gagné, répondez sur l'hashtag USA. Les loustics, hein, maintenant. Juste ici, combien? C'est une question à choix multiples si vous êtes plus ou moins malin. On passe à la pub et on se retrouvera donc juste après avec le focus intégral des news que l'on a raté durant les vacances et l'analyse de ces news avec des choses très intéressantes qui sont arrivées sur le monde Pokémon ces derniers temps. Pub et à tout de suite pour la suite de USA. Et pourquoi fais-tu ça? De retour dans une émission Sauvage apparaît. Merci à tous d'être avec nous. Deuxième partie d'émission. Et on en a raté des choses pendant les vacances. Il y en a eu des news intéressantes, plus d'autres non intéressantes. On a pas mal passé de temps, probablement aussi à jouer à Pokémon, à attendre éventuellement des annonces qu'on attendait tous. Vous avez joué beaucoup à Pokémon pendant les vacances, vous? À Picross. Toi, t'as joué à Picross, ouais. T'as joué à Picross 5 minutes avant de. J'ai cultivé ma haine. Ah ouais, bon, moi, Picross. En moi, c'est assez drôle parce que, genre, à un moment, je me dis, parce que tu sais, je suis en pleine. J'aime la console. Et puis là, bon, forcément, période de fête. La mère qui appelle. Je reviens, je vois la console émue. Ah, puis flemme, je l'arrête. Hein. Et ça a été comme ça pendant deux semaines. D'accord. Genre, la passion, quoi. La passion de ne de pas avoir envie. Ne pas avoir envie. Oh, moi, Picross, toi, t'as joué à Shuffle. Shuffle, tu peux y jouer à l'infini, en fait, au jeu. Shuffle, c'est un bon free-to-play. Ouais, Shuffle, tu peux jouer. C'est cool. Ouais. Ouais, je sais. Mais tu vois, tu joues comme ça, bah, un peu par... De temps en temps, par-ci, par-là. C'est toujours très sympa. Alors que Picross, t'es baisé. Tout à fait. Ah, Picross, t'es baisé, oui. Picross, t'es baisé. En fait, techniquement, il te faut un an et quelques pour farmer entièrement tout le jeu si tu veux vraiment y aller. Ouais, c'est ça. En faisant un puzzle par jour. Un ancien puzzle, pas un nouveau. Ouais, un ancien, faut refaire les anciens. Ouais, il faut refaire les anciens pour gagner 3 cubes, 4 cubes. C'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Les micros sont off. Ah bah que fait Paul s'est endormi sur la plateforme. Allô Paul? Paul, t'es-tu endormi sur ta console de son? C'est bon, Paul s'est endormi sur la console de son, il vient de se réveiller. Ne vous en faites pas, c'est bon. Il a les micros. Essayez de parler un coup. Très bien. Il y avait qu'un seul micro qui était off. D'accord. J'en sais rien. Et c'était celui de Raph et Mizu parle juste pas assez fort. Donc deuxième partie donc sur les news. Alors des news, il y en a eu beaucoup, énormément je suppose. Fais-nous un petit résumé de tout ça. On en a eu avant les vacances une flopée, donc je pense pas qu'on va en reparler non, là, maintenant, y a rien plutôt de... la semaine prochaine, j'irai. Oui, les actus en général, donc on fait défiler les images 1, 2, 3, 4, 5, 6 à la régie. Attention, soyez au taquet. Les badges Pokémon donc ont commencé à débarquer dans le jeu Nintendo Badge Arcade, hein, si ça vous intéresse. Moi personnellement j'ai réussi à choper un petit Voltali et quelques autres bien sympathiques. Ouais, j'ai bloqué la transformation du lapin rose dans Mario Maker. C'est des stickers. Ah quoi. Oui, aussi. Il est stylé. Le lapin bodybuildé, c'est ça? Ouais. ah si, j'ai eu les trois Elionso et Nemelios.
Et t'as raté Gouplin. J'ai raté Gouplin ce matin, je suis nul. Bref, des nouveaux thèmes 3DS Pokémon pour l'Europe aussi depuis le 25 décembre. Donc on a eu... donc là c'est image 2, 3, 4. Donc le premier c'est Pokécreate and Kokeshi Dolls. Pokécreate and Kokeshi Dolls. Ah j'ai Pokécreate dit fallait être au taquet. And Kokeshi Dolls. Ah non, celle d'avant. Voilà. Ah c'est passé, non, c'est passé vite. Les hein. Mecs, bon. C'est passé vite. Oh là là, hein. Gros énervez. Thème. Hein. Gros thème. Donc celle-ci, ensuite on a eu la guirlande de Noël, voilà. Et en dernier, donc le dernier thème, en fait je crois que c'est que du Japan Only, les deux premiers c'est sûr. Le dernier thème ce n'est pas celui-là, les thèmes, ça c'est la guirlande. J'ai craqué un peu, mais là je dois bien t'avouer que 2 euros par thème, allô, change pas souvent quand même. Hein. Le dernier pour un thème que tu vois une oui, fois s'il vous plaît. Ta journée. Quoi. Ouais c'est ça. S'il vous plaît, le dernier le thème. Thème. Voilà, le thème. Donc ça il me semble que c'est que du Japan Only, je ne l'ai pas vu il dans est le absolument dégoulinant de mielleux. Ouais, c'est absolument ça, très... Japan, hein. On peut difficilement faire plus rose. C'est très rose. Il en manque effet. Ah, c'est le je passe vite fait. Hein. On a eu des millions aussi d'events Pokémon Shuffle sur 3DS et mobile. Le jeu mobile que je n'ai pas trouvé sur Android. Donc je crois qu'il est que au Japon ou alors il est sur iPhone et j'en sais rien. Et il y a eu des nouveautés dans le shop aussi. Sinon, des nouvelles coques pour New 3DS. Donc la première pour fêter les 20 ans de Pokémon. On en reparlera les avec les sprites de Pokémon, ah bon, de Pokémon rouge et vert. D'accord. Donc cette coque sortira le 27 février. Au Japon, évidemment. Et la deuxième coque, c'est la coque Super Mystery Dungeon qui sortira le 19 février au Japon également. Et donc, la grosse news du jour, c'est bien entendu le début de la communication de Nintendo sur les 20 ans de Pokémon. Donc là, on peut faire un petit lancement du trailer des 20 ans de Pokémon. Les et on parlera... Pokémon. Avec un super, une superbe image trop trop mignonne. Donc voilà, fêtez les 20 ans de Pokémon avec le hashtag officiel Pokémon20. Donc il y a déjà des millions de tweets qui ont été envoyés. Il y a une distribution spéciale, on en parlera tout à l'heure. Il y a un bundle, il y a plein de bundles spéciaux aussi hein, qui vont arriver. Et les 20 ans j'en avec les rééditions de la 1G. Les quoi, générations Pokémon TCG, ça je sais pas si tu pourras nous en parler, Raph. Les Pokémon fabuleux TCG aussi. Les remasterisations digitales de tous les... Peut-être pas tous les films, mais beaucoup de films Pokémon. Avec je les veux. Tout pourri. Voilà, je les veux. Des jouets, bon il voilà, les figurines, une on s'en branle. La casquette et le mug, je les veux, voilà, donc vous le savez maintenant. Ah oui, d'accord. Et l'arrivée de nouveaux jeux, donc Pokémon Go et Pokémon Tournament. Il n'y a rien d'autre. Les 20 ans avec les 20 spin-off ans, de merde. Les 20 ans, c'est craqué. Partagez vos souvenirs Pokémon sur hashtag Pokémon20, bien évidemment. Mais j'en ai un excellent souvenir Pokémon, c'est... je me souviens, c'est genre, il y a un mois quand je me suis fait bannir du PGL. Ah là là, quel bon souvenir. Le chat a trop raison. Le trailer, ça fait c'est les 20 ans, prends ton pognon et donne-le nous. c'est tellement trop ça. Et donc, vous pouvez voir à l'écran le site officiel qui a été créé pour les 20 ans de Pokémon avec tous les tweets avec le hashtag Pokémon20 qui sont répertoriés sur la homepage. Hein, voilà. C'est magnifique. Donc, magnifique. Peluche de Paflobio, mais ils ont fait machin. Ils avaient fait la même chose pour Mario Maker. Gobu, qui est absolument dégueulasse. Oui, je n'aime pas Gobu. Voilà. C'est quoi ton problème dans la vie? Gobu. Donc voilà, le site officiel, vous pouvez aller le visiter quand vous voulez. Donc pour les 20 ans de Pokémon, vous avez vu dans le trailer, il y a une distribution spéciale qui est faite. Donc 11 distributions, 11 fabuleux. Tous les fabuleux de l'histoire. Tous les fabuleux de c'est l'histoire. Incroyable, donc ça commence en février avec Mew, qui sera distribué dans les GameStop. Celebi en mars sur le Nintendo Network. Donc c'est simple, hein, les distributions des fois, il faut juste aller sur les données. Mais Celebi, il le filait déjà avec la banque Pokémon, là. En avril, oui, mais il y en a que t'as pas eu forcément. En avril, il y a le Jirachi. En mai, on a le Darkrai. En juin, le Manaphy. Ah oui, le Jirachi, c'est Nintendo Network. Le Manaphy, c'est Nintendo Network. Le Darkrai, c'est dans les GameStop. Donc chez nous, ce sera sûrement les Micromania, des trucs comme ça. Le Shaymin c'est en juillet Nintendo Network, le Arceus en août dans les GameStop, Victini en septembre sur le Nintendo Network aussi, Keldeo c'est en octobre sur le Nintendo Network, Genesect c'est en novembre dans les GameStop, donc dans les Micromania pour nous, et enfin Meloetta en décembre sur le Nintendo Network. Donc la plupart sont à récupérer sur internet, c'est assez pratique. En fait les meilleurs sont à récupérer chez Micromania. Ah oui. Les meilleurs. Ceux qui ont un minimum de charisme ou qui sont forts. Mew, Arceus, Genesect. Darkrai, Arceus et
je ne sais quoi, voilà, c'est vrai. Bah, ceux qui ont du charisme et qui sont et que tu veux utiliser, ils sont. Et bah, les mignons, ils sont sur internet, voilà. Et du coup, en 6G, on les a tous. Tous de chez tous. De chez tous. Et ah du coup, tu peux dire que le prochain format VGC de l'année prochaine. Non, c'est non, jamais, non, jamais, jamais. Enfin, le format VGC, il n'y a pas les fabuleux. Donc bon. Justement, maintenant qu'ils sont distribués. Ah, j'avoue, maintenant qu'ils sont distribués, en fait, on aura le droit de les jouer. Non, en fait, non, ils le feront pas. Un parce petit Dark Ride trou noir. Parce qu'en fait, dans les conseils de préparation des équipes, il est conseillé de créer son Pokémon, enfin capturer son Pokémon soi-même. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ne mettent jamais les fabuleux dans les tournois. C'est pas juste parce que c'est des fabuleux, c'est aussi parce que, en fait, quelqu'un qui vient d'obtenir la cartouche ne peut du coup pas avoir le Pokémon par lui-même, et du coup il est pas sur un pied d'égalité avec les autres. Il est obligé de procéder à des échanges pour l'avoir, et du coup à partir de ce moment là il est obligé de faire des échanges. Il peut pas, les gens, Nintendo, enfin Pokémon Company, peut pas lui imposer. Ils sont au courant que dans le jeu tu peux pas récupérer Ekyogre et Groudon, faut acheter deux jeux. Et bah oui, bah ben, oui. soit t'échanges, soit t'achètes deux jeux. Il faut acheter les deux jeux. Évidemment. L'argent peut résoudre certains problèmes. Ah bah, l'argent peut résoudre aussi tous les problèmes d'échange. Disons que cette ligne dans les... Donc l'argent, c'est moins grave que l'échange. Oui. Parce que l'argent, ça va à eux. L'échange, ça va pas à eux. C'est ça. Voilà, bah elle est belle. Donne-leur de l'argent. Elle est belle, la communauté. Mizu, t'as fait une liste de courses pour les 20 ans de Pokémon. Je connais l'expression. L'argent peut tout résoudre. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Ils incluent que l'échange. Mais par contre, quand ça les concerne. C'est ça. Ah oh bah non. Voilà. C'est ça. Non, je rigole. Je suis mauvaise langue. Quand même, je fais mon rageux. Donc, je suis désolée pour la réelle. La news suivante, en fait, je vais pas la dire. Suivant, on a les images du dernier Colo Colo qui annonce également des distributions. Pourquoi à partir. Mais là, on voit pas toute l'image, ça ne sert à rien. La réa. Voilà. Mais calme-toi. Mais calme-toi. Regarde-moi, je vois tout. Non, une émission dans la partie haine. Intéressante de ce screen, Pokémon. C'est... Mais non, c'est pas ça. C'est ça, la partie donc, intéressante de ce screen. Donc, tu reviens sur l'image d'avant, s'il te plaît. Putain, il fait la grève et il spoil, du coup. C'est pas ça. Ah, ça fallait faire comme ça. C'est comme ça. Oh, putain. Désolée, la réa. Ils n'y arriveront jamais. Je vous aime. Voilà. Voilà. Donc, la partie intéressante, c'est la partie à droite, en fait. Voilà, merci. Ah oui, parce qu'il y a un Evoli dessus, super. Voilà, mais donc non, on zoome la partie à gauche. Il y a un QR code. Donc on a des distributions. Scannez ce QR code, vous l'aurez. Des distributions évidemment Japan Only à partir du 1er mars. Donc un petit Evoli Shiny, ça c'est pour moi. Et sinon, un Articodin, un Sulfora et un Elector avec leur talent caché, les mecs. Avec ça c'est pour avec leur Raph. Talent caché. Oui, ah oui, c'est au Japon, oui. Tu mais peux, sinon c'est cool. Tu peux nous dire quels sont les talents cachés de Articodin, Elector et Sulfora Rite et pourquoi neige, c'est statique et corps ardent. Et pourquoi c'est intéressant alors ces distributions ? Alors pourquoi c'est intéressant ? Articodin, ça va pas être intéressant, mais tu pourras toujours troller un peu plus avec Articodin, donc c'est toujours cool bah à prendre. Oui. Je vais enfin Sulfura, parce qu'il a enfin un talent qui ne sert pas à rien, même si c'est pas un talent de ouf non plus. Ah, c'est bien. Si le Pokémon, si le Pokémon n'est pas très bon, le talent va pas non plus le rendre excellent. Mais c'est-à-dire que Sulfura aura quand même un tout tu, plus. Est-ce que tu te rends compte, Raph ? Oui. Est-ce que tu te rends compte qu'on va pouvoir couver nos œufs avec un Sulfura ? Ah oui. Ouais, j'avoue. Est-ce que tu mais te rends compte qu'on va cool. pouvoir enfin prendre Sulfura dans son équipe, voler où on veut et couver nos œufs avec un Sulfura. Mais Ken, j'ai même mieux. J'ai même non, mieux. Non, mais par contre, sache que Sulfura, il se fait battre à pas de couture par Flambusard dans mais la série Pokémon fout. XY et Z. Entre couver tes œufs par qu'il est mauvais. Un putain de Flambusard ouais, bah, et dans par l'anime, un Sulfura, dans l'anime, Sulfura, il est mauvais, voilà. Sulfura, le Sulfura, quoi. Tu vois, il n'y a pas photo. Tu l'utilises pour couver tes œufs pendant que Mewtwo, bah là il est devant ta maison, tu vois. Si, est-ce qu'il y a un autre légendaire qui peut couver les œufs ? Question. Reshiram devrait pouvoir. Un dernier shiny à gagner. Reshiram devrait pouvoir. Sinon, hein, pour en revenir au sujet, Kaen, hein, s'il te plaît, parce que corps ardent quand même, c'est cool. Mais statique sur Elector, est-ce que tu vois ou pas ce que ça fait ? C'est encore mieux. Statique, c'est très très bien. Si jamais tu le touches, eh bien, il y a une chance que tu sois paralysé. Voilà, du coup, c'est bien pour mettre les bluffs ou faire chier. Corradon, c'est brûlé, mais Sulfura est un Pokémon pas très bon, donc ça n'a pas forcément changé la c'est game. C'est pas légendaire. Entei, il peut. Il a Corradon, Entei. Il a Corradon, Entei. Entei avec Torch. Non, il n'y a pas les. Il y a pas les. Il y a pas les talents cachés de ces Pokémon-là qui sont sortis. Torch. Il n'est pas sorti. Non, Torch, ça fait il pas, pas couver les œufs. Entei, Torch. Il n'est pas sorti. Il traîne avec Torch. Il traîne, il a Torch. Il traîne à Torch. Bah oui, c'est ça qu'elle veut dire. Alors, il couvre les œufs. Et Torch, ça couvre pas les œufs, c'est Armu Magma ou Corps Ardent. Voilà. Voilà. Donc, du coup, vous êtes nuls sur le chat. Ah, voilà. Vous êtes nuls. Taisez-vous. Taisez-vous. Mais n'importe quoi, vous comprenez rien, vous avez jamais couvé de toute votre vie. Bon, Ken, est-ce qu'on peut arrêter le hors-sujet ? Est-ce que tu aimes Mega Kangourex ? Oui, oui. Non. Tu aimes pas Mega Kangourex ? Eh bien, sache que Elector,
qui est déjà un bon Pokémon, s'il se fait bluffer par Kangourex, vu qu'il tape deux fois, Elector aura 52% de chance de paralyser Kangourex. Ah. En plus de fait que Elector soit... En fait, Elector, c'est déjà un bon Pokémon avec un talent de merde. Donc avec un bon talent, avec un talent utilisable, ça devient encore un meilleur Pokémon. Ça devient un meilleur Pokémon. C'est ça qui est bon. Ça le rend pas pété parce qu'il est faible aux attaques roches et les attaques roches ne touchent pas directement. Donc il pourra, oui, il pourra pas avoir une contre-attaque automatique sur les attaques super efficaces. Mais dès qu'on veut le taper neutre sur le physique, ça va faire le café, quoi. Vous allez voir les points glace, par exemple, ça va être cool. J'avoue, ça peut être bien. Bon, et par sinon, contre, Articodin, il sert toujours à rien, on est d'accord. Ridoneige, c'est quand même Codin, pas mal. Hein, voilà, très bien. Ridoneige. Mais bon, c'est bien. petite distribution aussi, bon, une Master Ball, je vous ai donné, voilà, on s'en fout. Ensuite, je passe à la news suivante. Donc, pour les 20 ans, il y a des bundles Pokémon 2DS qui ont été annoncés. Donc, je vais d'abord parler des bundles au Japon, parce qu'eux, ils ont forcément des meilleurs bundles que les nôtres. Attends, c'est même assez exceptionnel, parce que c'est... grâce à ces bundles-là que le Japon va découvrir la 2DS. Et oui, c'est vrai, la 2DS débarque enfin au Japon sous forme de bundle pour les 20 ans de Pokémon. Donc, c'est 4 éditions spéciales qui vont sortir le 27 février. Donc à l'occasion de la sortie des jeux rouge, bleu, vert et jaune sur Virtual Console. Donc, en gros, dans chaque bundle, vous avez le jeu préinstallé. Vous avez un ticket spécial pour récupérer Mew dans les jeux Virtual Console. Ah ouais ? Et ouais. Ouais, donc il n'y aura même pas besoin de tricher. Bah même pas, non. Ah ouais. Vous avez un code pour récupérer Mew dans les jeux 6G, si j'ai bien compris. Oh, c'est pas mal. Bien joué, Mission, on sent que t'es pas fatigué. C'est, oh là là. C'est mon humour, pas ça. Du tout, non. Direct, ça. Oh, c'est tellement bon. Est-ce que, s'il vous plaît, à l'arrière, vous pouvez revenir juste à l'image d'avant pour montrer. Donc, vous avez aussi des thèmes 3DS spécifiques à chaque jeu, comme vous pouvez le voir sur les 2DS. Voilà. Oh. C'est beau. Et voilà, tout ça dans les bundles. En plus, vous avez une super jolie boîte, comme la boîte qu'il y avait à l'époque pour les jeux Game Boy. C'est le genre de truc, tu l'achètes, tu l'ouvres pas. Et pour la modique somme de 9 980 yens, ce qui revient à... Pas tant que ça. Combien, tu m'as dit combien ? 9 980 yens. 9 980 yens, ça fait 80 euros. Ça, ouais, oui. 80 euros. Ouais, ça va, avec vrai, une console va. Dedans, en vrai, c'est stylé. Bien. C'est en vrai, j'en commande deux. Ah, et aussi à savoir, apparemment, le pack bundle Pokémon bleu sera dispo que dans les Pokémon Center. Tu sais pas pourquoi. D'accord. Voilà. Ça, c'est chez nous, ça. Si, si. C'est sûrement référence par le du fait que Pokémon bleu n'était au Japon, on pouvait l'avoir que en commandant directement, on pouvait pas l'avoir dans les commerces. Ouais, donc c'est sûrement lié à ça. C'est la même chose alors. Bah, voilà, il est dispo que dans les centres Pokémon. Okay. Donc les bundles rouge, bleu et jaune ont été confirmés pour l'Europe. Il y aura donc à l'intérieur un jeu des maths, la console, un thème spécial 3DS, mais on sait. Bah, je pense que ça va être les mêmes, ouais, un peu pour les Japs. Ouais. Et des stickers. Ensuite, on a le bundle spécial pour les 20 ans qui sort pour l'instant que aux États-Unis. C'est dommage. Comme bundle spécial New 3DS. Donc, à l'intérieur, vous avez les coques spéciales rouge, Dracaufeu et bleu, Tortank. Les jeux préinstallés, donc toujours les jeux Virtual Console. Hein. Et des thèmes 3DS exclusifs. Donc là, par contre, on ne sait pas c'est quoi comme thème. Et bah, y a la New Nintendo 3DS aussi dedans. Paul, tu vas arrêter d'aller trop vite parce que sinon je vais mourir. Voilà. Donc ça, par contre, ce serait bien qu'ils sortent en Europe, ces bundles-là. Ils sont stylés, je trouve. Quoi, avec la New 3DS comme ça et les coques ? Avec la console, les coques, les non, thèmes, je préfère, les je préfère la le bundle 2DS. Tu préfères moi. Le bundle 2DS. Ah ouais, je préfère le bundle 2DS. Celui du Japon. Ouais. Celui du Japon. Celui d'avant, ouais. Là, deux images avant que Paul... je sais plus ce qu'il Paul, fait. Paul, il baisse toute avant l'arrière, que Paul, de toute façon, il... Mais faut dire, il a pas beaucoup dormi. Mais il était là ce matin tôt, hein, donc je tiens à saluer vrai, quand même. Je tiens à saluer tard, quand même Paul, qui était là ce matin malgré encore avant. Encore avant, t'avais le bundle 2DS pour l'Europe, quoi. En fait, le 2DS. Voilà. Ça, ceux-là, ils sont plus stylés, je trouve. Ouais, ceux-là, ils sont. T'as cool juste aussi, pas ouais. Le thème, mais finalement. Bah si, il y a les thèmes 3DS dedans. Ah, il y a les thèmes 3DS aussi. Définitivement, ouais. Définitivement, pour moi, ça sera le japonais. Hein. Bah oui, non, ouais, mais le japonais plus stylé. En plus, au Japon, il y a 4 cartouches hein, qui sont sorties de Pokémon. Tu sais pourquoi d'ailleurs il y a 4 cartouches qui sont sorties de Pokémon ? Enfin, il y a la Pokémon jaune qui est sortie quelques années après, mais pourquoi il y a 3 versions de Pokémon pourquoi qui sont sorties rouge et vert, mais après la bleue, pourquoi il est sorti ? Tu sais combien de temps il a fallu pour développer Pokémon, la 1G Pokémon beaucoup. Bleu à Game Freak ? Je sais pas, des ouais, énormément, il aura fallu 6 ans pour développer le jeu. 6 ans ? 6 années. Si c'était 6 années de galère, de manque de budget, 6 années à prier pour que Nintendo renvoie de l'argent pour que le jeu soit fini de développer. C'est chaud. Bah, si vous voulez savoir plus, bah, je vous conseille tout simplement le livre d'Alvin hein, qui était passé ici. Ah bah oui, t'as dû lire ça hier soir. Il y a tout dedans, je suis en train de le lire en ce moment, c'est
une mine d'informations. Ah ouais, c'est stylé. C'est super sympa. Sinon, petite news en passant, du coup, Pokémon Rumble World qui sortira bientôt en boîte, hein, le 22 janvier en Europe, avec 3000 Poké Diamants. Donc, normalement, t'es censé finir tout le jeu. Voilà. Ensuite, les news sur Pokémon Tournament, des nouveaux persos ont été annoncés. Grâce aux images du nouveau Colo-Colo, ouais, donc, qu'on a reçu. Colo-Colo, donc on sait donc, pas. Donc s'ajoute au roster Karchakrok, Roussil et Mewtwo. Karchakrok, c'est bien. Karchakrok, c'est très très bien. À Mew, savoir c'est très étonnant. Que c'est Mewtwo. Donc t'as Dark Mewtwo et Mewtwo normal. C'est vraiment très étonnant qu'il mette Mewtwo, Mewtwo quand même dans le c'est jeu. C'est Roussil surtout, il a bâton. Ouais, ouais, et Roussil. Roussil est plus humanoïde que Gooplin en fait. Il a un bâton, il te défonce la gueule. C'est pour ça. C'est quoi? Roussil est plus humanoïde que Gooplin. Moi je me suis demandé si il est plus charismatique aussi, je trouve. Hein. Moi je me suis demandé si c'est pas la robe le problème. Non, bah, en fait ça fait juste un personnage féminin. Ou alors Roussil, c'est parce qu'en ce moment en Serena, son Roussil, il a pas non, encore non, évolué. C'est juste un personnage qui fait féminin. Franchement, à mon avis, c'est juste ah, ça. Peut-être, moi je pense que c'est le Mewtwo, c'est pas étonnant. Karchan, en revanche, c'est cool. Karchan est cool, très très cool. Donc ces nouveaux persos sortiront avec le titre Wii U, donc le 18 mars. Petites infos sur Karchakrok, c'est un Pokémon puissant qui peut méga évoluer, donc évidemment, et utiliser des attaques comme Draco Charge et Tourbissable, donc c'est plutôt un Pokémon qui tape au corps à corps, alors que Roussil, lui, il utilise plus d'attaques à distance comme déflagration. Ils annoncent aussi, prochaine image, et ils ont donc dit qu'il y aurait une grosse annonce qui va arriver le 15 janvier pour Pokémon Tournament, donc c'est demain. Okay. Ouais. Apparemment, ce serait un nouveau perso avec le caractère la dans son nom en japonais. Mais non. Avec le caractère donc quel la. Pokémon aurait la dans son nom en jap qui pourrait être dans Pokémon Tournament? Voilà, c'est la réponse demain. D'accord, donc attends, le cast là, ils sont combien là du coup? Ils sont 1, pas mal. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, bon, 11e plus avec le Pikachu 3, LOL. Plus les 3, ça fait 14. Plus le Dark Mewtwo, 15. Et là, ça fera 16. Le Dark Mewtwo, 15, si on peut le jouer, ouais. Et ça fera 16 avec et celui ça d'un 16. Ça aura un cast à 16 persos pour la sortie console. C'est déjà plus crédible que les 8, ouais, 9 déjà, arcades. Ouais, c'est sûr. Mais ah, peut-être Lagron, ouais. Il y a beaucoup de gens qui disent Lagron. Lagoulon. Bah, je crois que c'est le même nom en japonais. Je sais même non, pas. Je pense pas, non. Pas non, je sais même non, pas. Non, mais il y a la perte en anglais. Donc, oui, mais il y a la dans son nom en japonais. La tata. On verra bien. S'il y a un ratata, c'est stylé. Voilà. Ensuite, je passe aux news sur Pokémon XY et Z, le film. Parce que la série, il faut que je rattrape les épisodes, mais je suis pas très loin, donc ça va. Donc on a des images du dernier Colo-Colo encore. Je rappelle. Qu'est-ce que c'est que ce Pokémon? C'est Volcanion. Mais c'est quoi Volcanion? C'est où est-ce qu'il vient? C'est quoi Volcanion? Il se fout de moi. Donc en gros, dans ce Colo-Colo, on apprend rien de vraiment essentiel à part que Volcanion déteste les humains. Ah merde. Pourquoi? Voilà. Parce que Nak a joué à Pouet Pouet Canyon. Putain, j'attendais une opportunité. Ah, je suis content. Putain, mais c'est débile. bref, et ça parle aussi qu'il y aurait une grosse annonce dans le prochain Colo-Colo, celui du 15 février. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est le trailer du film, donc ça, on peut le laisser. Merci Paul, tu peux. Merci beaucoup. Et donc, dans le prochain Colo-Colo qui sort le 15 février, il y aurait un scoop mondial exclusif. Ce serait une affiche, voilà. Et une grosse annonce sur le film qui affectera le monde entier. Waouh! Bref, est-ce qu'ils vont nous sortir un nouveau jeu enfin pour les 20 ans ou arrêter de déconner, se foutre de notre gueule? Ça, j'en sais rien! est-ce que. Je sais pas. Parce que moi j'aime bien. En fait, mais ils vont sortir un spin-off pour Picross. Ah bah oui! Ça s'appelle Picross Z. Pokémon Picross Z. Le mais DLC grave. Gratuit mais en fait payant de Pokémon Picross qui est déjà en gratuit. En fait, il est gratuit mais pour y jouer, un faut DLC que tu payes. C'est gratuit mais tu le télécharges et si tu veux y jouer, faut payer. Ah mon dieu. Je pense que en c'est tout cas, les infos sûres qu'on a, c'est que le titre apparemment traduit en français du film, ce sera Explosion de chaleur de Volcanion, la démonstration. Toujours des titres géniaux. Il sort à quelle date? Il sort le 16 juillet 2016. Ouais, c'est dans l'ombre, c'est dans l'ombre. Toujours en été, hein, les films Pokémon. Voilà. Wow. Ah oui, petite news sympa pour les utilisateurs de Line. Je ne sais pas si vous utilisez ça sur votre téléphone. Je sais que toi, tu es un nouvel utilisateur, monsieur Ken. Je suis un nouvel utilisateur de Line. Voilà. Line, c'est un peu comme WhatsApp. Et en gros, l'intérêt surtout, ce sont les stickers que tu peux avoir soit gratuitement, donc soit tu télécharges les stickers gratuits qui sont un peu moches, un peu indés.
soit tu télécharges des stickers payants qui sont officiels et cool. Le plus grand intérêt, c'est de parler aux japonaises avec. Mais bon, oui, ça, le plus grand intérêt, c'est de parler aux gens à l'étranger gratuitement. C'est vrai. Donc là, ils viennent de sortir des stickers officiels Pokémon sur Line. Voilà. Mais j'ai une image. L'Area. C'est incroyable, une image. Merci, l'Area. C'est cool. Ah, superbe image. La numéro 19, mais c'est pas grave. Voilà, merci pour la modique somme de 2 balles. C'est trop cher. Tu as des stickers animés Pokémon. Animés. Wow. Et ouais, tu veux des trucs animés. Il y en a combien en tout, ça change d'avis. Hein, c'est parce trop, que t'en as plein des non officiels, mais là c'est. Ah non, mais en fait, et d'un coup on sait pourquoi elle parle de ça, parce que on voit directement dans la description qu'il y a Evoli dedans. Et là, ah forcément. Ah bah oui, évidemment. C'est ça. Bien. Bon, sinon je passe à la dernière news que j'ai, une vraie news cette fois. Donc un tournoi PGL a été annoncé. C'est l'International cool. Challenge de janvier 2016. Ah, donnez-moi les règles. Ça va être du duo VGC sur du duo VGC, donc avec les nouvelles règles. Les nouvelles règles. Puisque les nouvelles règles. Hein. Tu vas te la fermer, oui. Et parlons des nouvelles règles, s'il te plaît. Les nouvelles règles. Tu es autorisé à prendre 2 légendaires dans ta team. Voilà. Voilà les règles VGC de cette année. C'est les comme l'année dernière, sauf que t'as le droit de prendre 2 légendaires en plus dedans. Légendaire, pas fabuleux, mais n'importe lequel. De quoi ? N'importe lequel. Hein ? Tu as le droit de prendre des légendaires. Attends, mais expliquez-moi, je ne comprends pas. T'as pas le droit au fabuleux. On en a parlé. Non, t'étais pas là à la dernière émission, désolé. Expliquez-moi ça, s'il vous plaît. T'as le droit de prendre 2 légendaires, mais t'as pas le droit de prendre de fabuleux. Non, mais ça, d'accord. Mais ok. T'as le droit d'en prendre que 2 des légendaires ? Oui, que 2. Que 2 dans la team. C'est pour ça que le format est très bizarre. C'est en gros, t'as 2 légendaires et 4 Pokémon pas légendaires. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, la plupart des gens vont prendre Xerneas et Groudon ou Kyogre, en gros. Oui, d'accord. Ça, c'est autorisé, mais tu peux pas prendre et Kyogre et Groudon et... Si. Et quoi ? Hein ? Ah, non. Et Kyogre et Groudon. Oui, tu peux prendre le trio. Non, pas les trois. Ça n'a aucun intérêt, de toute façon. Mais tu peux pas. Voilà. D'accord. Et donc, les inscriptions pour cette compétition sera du 21 au 28 janvier. Et la compétition sera le week-end du 29 au 31 janvier. Et sachez que chaque participant recevra 2000 Pokémiles et surtout des Championship Points pour le top 256. Voilà, c'est une compète officielle. Donc, voilà. Et donc, on peut passer à notre partie 3, le Focus Strat. Ah bah, il y a la pub ? Ah bon, il y a une pub ? Bon, je sais pas. On rappelle la question du jour et la pub. Et ensuite on discute du VGC parce que ça va chier là. Je comprends pas pourquoi. Bah oui, t'étais pas là la dernière émission. Combien de mini-jeux de la saga Pokémon Stadium nécessitent d'utiliser 2 touches ou moins pour y jouer? Voilà, exactement. Voilà. Les directions. Ça veut pas dire que c'est forcément 2 touches. Non, c'est on peut y jouer totalement avec 2 touches ou moins. Ou moins. Voilà. Ou moins. Mais il jouait en totalité, c'est-à-dire pas de se limiter le jeu. Hein. C'est-à-dire que le jeu te dit d'utiliser 2 touches ou moins. Tu sais, à chaque fois, il y a l'écran, voilà exemple, les touches à utiliser. Ça se trouve, voilà, par exemple, pas le jeu des mélophées parce qu'il faut appuyer dans les 4 directions de ta croix directionnelle. Donc, ce qui compte 4 touches. Voilà. Très bien, parfait. Voilà. C'est impeccable, je suis totalement opérationnel par rapport à cette question. Nous allons donc passer à la pause pub, ensuite ce sera le Focus Strat et ensuite je vais défoncer Raph comme ça parce qu'il a laissé les règles VGC se faire cette année. Ou pas. et voilà. Et donc il peut tellement après, y jouer ce sera la en fin. Ligne. À tout de suite après la pause. De retour pour la dernière partie du USA, merci à tous d'être avec nous. Oui, et c'est l'heure du Focus Strat. Donc si j'ai bien compris, les VGC cette année, c'est de la merde. Ah non, c'est du Uber. Enfin, c'est du Uber, c'est une sorte de Uber un peu bricolé. Et pourquoi en ils fait, ont fait ça alors, Uber maîtrisé. Il y avait déjà eu ça en 2010 en fait. Alors pourquoi il y a eu ça? Moi je dirais, ils font ça quand, pour changer les règles par rapport à l'année précédente, quand il n'y a pas de nouveau jeu qui sort. C'est-à-dire que en 2010, c'était un metagame Uber quasiment comme celui-là, sauf qu'à l'époque, on avait le droit de prendre que 2 Pokémon, mais parmi les 4 qu'on choisit. C'est-à-dire que dans ton équipe, tu pouvais avoir sur les 6 de 0 à 4 Uber, tant que tu n'en prenais que 2 pendant le combat. Donc moi, j'avais une équipe, par exemple, il y avait 4 Uber et 2 Pokémon de soutien, dans l'équipe. Donc je pouvais choisir le légendaire qui était le plus adapté à ce qui se passait en face de On a toujours pu considérer le VGC comme un format Uber de base, puisque de toute façon, tu as le droit de choisir des Pokémon qui sont pétés. Il n'y a pas forcément que les légendaires, les fabuleux qui sont ultra pétés dans le jeu. Ouais, mais en fait, le duo... Bah, rien que Mega Kangourex, Mega Drattak, c'est déjà des Pokémon Uber, tu vois.
En solo, oui, mais Megane Ratak, par exemple, n'a absolument pas craqué en duo. Bon, vraiment ? Ah non, vraiment. Ah, vraiment, vraiment. Le seul truc qu'il fait, c'est taper fort, mais il y a tellement... En fait, t'as deux Pokémon sur le terrain. Faut pas oublier ça. Oui, je sais que t'as deux Pokémon sur le terrain. C'est-à-dire que t'as pas de contre à un Pokémon, en fait. C'est pas possible. Tu peux pas avoir un contre à un Pokémon, c'est impossible. Par exemple, typiquement, un Pokémon combat... C'est quoi, alors, les Uber de duo ? Ça veut rien dire alors, ça n'a aucun sens alors à ce moment-là. Il peut y avoir une sens. Catégorisation par exemple en Smogon 6v6 duo qui est un format qui existe même s'il est un peu plus anecdotique. Par exemple dans ce format-là, Megane Ratak est banni en effet. Parce qu'avec 6 Pokémon, Ratak est craqué. Alors viens pas me sortir qu'il n'est pas Uber. Bah non, non en fait il n'est pas craqué. Il te le dit parce qu'en 4 Pokémon il n'est pas pété mais en 6 il l'est. Voilà. Il est le je ne comprends pas. Et ben en 4 Pokémon, il a moins de temps de faire un impact un match de 4 Pokémon, il va se faire défoncer sa race. Sur 6 Pokémon, tu places une Dansrakos, sur 4 Pokémon, tu la places pas tout le temps, donc c'est peut-être pas forcément rentable de la mettre. D'accord. Donc du coup, tu as peut-être pas le temps de défoncer une équipe de 6 Pokémon juste en faisant bluff Dansrakos et ensuite en faisant retour. D'accord. OK, très bien. Et des d'accord, trucs comme ça. D'accord. Et du coup, c'est beaucoup en duo que ça marche. Je comprends mieux. Du coup, il y a beaucoup de techniques. Par exemple, à l'époque de 2015, il y avait énormément de Pokémon qui étaient capables de gérer Mega Kangourex, etc. D'accord, OK. Très bien. Et voilà. Et surtout, t'as tous les légendaires qui sont disponibles sur les cartouches. Oui, mais c'est ça, là. Il y a tous les légendaires, t'as le droit de tous les prendre. Et les primos, c'est même pas une méga. Donc tu peux jouer deux primos dans ton équipe avec une méga en plus complètement fumée. Ce qui fait 300 de bastades de plus dans ton équipe qui est pas négligeable. Non, mais pas négligeable. Non, mais on parle même pas de pas négligeable, là. Allô ? Que se passe-t-il ? Ça va encore. Mais attends, on passe sur l'affiche et après je te donne les astuces. Moi j'attends les matchs, j'attends de voir les premiers matchs officiels à mon avis, on va rigoler. Non, non. Oui mais pas dans le sens que tu crois. Moi je te très le bien dis. Vas-y, passons à l'affiche. Alors Kyogre, hein, comme le diraient certains youtubeurs Pokémon. Kyogre. Comme Groudon de la comme dernière fois. Comme Groudon, exactement. Donc du coup, forcément, on va jouer primal. Hein, on va jouer primal comme Groudon, finalement. Sans déconner. En nature discret, Pokémon très lent, du coup, avec 0 IV en vitesse. Même si c'est pas écrit là, ça se voit dans la stat pour ceux qui connaissent la stat de Kyogre. Pour descendre à 85 de vitesse, il faut être nature négative en vitesse. Ça se voit la répartition aussi des oui, EV. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, mais j'aurais pu le laisser genre en modeste, tu vois. Mais bon, discret, ça diminue la vitesse. Le but, c'est de diminuer la vitesse. 0 IV en vitesse, le plus bas le possible. Le plus lent possible. Le plus lent possible. Pourquoi ? Full PV, full attaque spéciale. Ben, tout simplement parce qu'en fait, Kyogre et Groudon ont leurs talents sont en compétition. Ah oui, c'est le dernier qui le lance a gagné. Le plus rapide le lance en premier, donc du coup, le dernier aura gagné le dernier mot. C'est ridicule. C'est exactement ça. Et du coup, ben là, par exemple, tu joues super lent. Alors, les bastas de Kyogre, de Primo Kyogre, sont excellentes. Regardez les stats. La défense est bon. Elle est pas ouf, hein, 110 en Uber, c'est pas ouf, en effet. Mais c'est pas dégueu. Non, c'est pas dégueu. Si vous voulez éventuellement sauver un petit peu le truc, vous descendez un peu les PV de Kyogre, vous mettez tout en défense, il y a pas de problème. Il a 200 PV hein, au niveau 50, hein, le Pokémon. Il est beaucoup de PV. Oui, il a 255 d'attaque spéciale, 180 de défense spéciale. Et c'est un Pokémon qui fait super mal. Oui, mais c'est le format qui veut ça. Ça veut rien dire. C'est... Je ne sais pas, ce sont des statistiques, des statistiques de Final Fantasy VII, il a ce n'est pas des statistiques de Pokémon. Il a quand même un bon point faible, c'est qu'il n'a pas une défense de ouf hein, pour le format Uber. Contre des Pokémon de son rang, ouais, mais attends, c'est il que va c'est avoir il un est, malus. Il est haut, juste genre haut. Il faut faire quoi ? Point éclair pour le taper Ah mais tu fais un Fatal Foudre, il se contre lui-même d'ailleurs. Mais Fatal Foudre c'est spécial. Peu importe, t'inquiète pas, les Uber tapent fort. Donc il frappe fort, on a vu 255 d'attaque spéciale, ça fait super mal. Pour les plus téméraires, vous pouvez jouer Gicledo à la place de Onde Originelle hein, pour faire énormément de dégâts quand vous êtes full PV. Et surtout, il gagne la guerre des climats contre un Groudon qui n'est pas brave, parce que Groudon aussi peut être brave pour gagner la guerre des climats. Par contre, s'il ne gagne pas la guerre des climats, en fait c'est Groudon qui le domine, parce que pour taper haut, il faut absolument que Groudon ne place pas son climat. En fait, c'est pour ça que Kyogre perd contre Groudon en temps normal. Parce que si Groudon impose son style, Kyogre ne peut pas taper stabé. Parce que ça empêche les attaques hautes de fonctionner. Oui. Alors que si Kyogre impose son style, Groudon peut toujours taper sol. Il ne peut D'accord. plus taper feu, mais il peut taper sol. D'accord. Donc du coup, Groudon gagne le game finalement
théorique du match. C'est-à-dire oui. que si tu réussis à protéger Groudon, même sous la flotte, il fera des dégâts à Kyogre et il s'en bat les steaks. Inversement, ouais, c'est pas vrai. Il prend pas x4 Il prend x4, mais si tu le protèges, t'as pas de problème. D'accord. Alors tu mets une petite garde de large avec un Shaofuin, tu sais, ma spécialité, et tu protèges. Ok, et donc là je vois Blabla Dodo, quel est le sens de tout ça? Alors, en fait c'est un Pokémon... Trou noir, des trous noirs voilà. de partout. C'est un format dans lequel, Colorier Trou Noir est toujours autorisé, et c'est un format dans lequel la base moyenne de vitesse est plus basse que l'année dernière, c'est-à-dire qu'en gros, là où la base moyenne de vitesse avant c'était dépassée de le très loin Kangourex, parce que t'avais Amphinobi, t'avais Flambusard, t'avais etc. Là, la base moyenne de vitesse, c'est surtout Kyogre et Groudon. En fait, beaucoup de Pokémon ont la même vitesse que Kyogre et Groudon, et Colorier est plus rapide. Donc Colorier, ceinture force, dépasse tout les légendaires, enfin tous les légendaires, la plupart des légendaires les plus joués, et fait trou noir gratuitement. Et donc du coup, pourquoi je lui mets Blabla Dodo? Parce que en fait, soit tu lui mets Fatal Foudre pour qu'il réussisse à gérer les duels avec d'autres Kyogre. Je me dis bon, c'est pas forcément intéressant et ça fait un move de gâché. Enfin, il y a plusieurs possibilités. Blabla Dodo, je trouve que sur Kyogre, alors, c'est pas une obligation, mais c'est une option. Hein, ça fait partie des 15 000 moves. C'est juste aussi pour montrer que Kyogre, tu mets Onde Originale, Laser Glace et il fait déjà son rôle. En fait, il tient déjà son rôle. Ouais. Blabla Dodo, c'est si tu te fais endormir, ça te permet de taper toujours. Si tu anticipes avec Abri. Oui, bah Abri, oui, parce que t'es en duo. Ah, t'as une chance sur 3 de... Tu peux taper avec Abri. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave de taper avec Abri. Vaut mieux avoir 2 chances sur 3 de taper un Colorier que de pas taper, tu vois. J'avoue. Pendant 3 tours. En plus, Colorier, bon, il a la ceinture force, mais quelle que soit l'attaque que t'envoies, de toute façon, avec un Kyogre, ouais. il se sent pas bien. Non, mais vaut mieux, tu vois, avoir 2 chances sur 3 d'anticiper le fait qu'il a raté son trou noir et du coup, de ne pas taper quoi qu'il arrive. Enfin, voilà. C'est vrai. Non mais je suis d'accord avec vous. Sinon, c'est juste que je trouve ça un peu basique cette histoire de, non, de oui, combat non. de vitesse entre deux. Alors oui. En plus, ils vont tous être joués comme ça. Du coup, alors, ça va être à chaque fois. C'est basique. Ça va être oui à chaque fois un speed tie oui sur le climat. Ken, je vais y revenir tout de suite. Si ça t'intéresse, je vais y revenir tout de suite sur la question. D'abord, je termine juste sur le fait qu'il a 0 EV vitesse. Ça n'apporte pas uniquement la possibilité de gagner la guerre de climat. Sinon, en fait, on serait juste condamné à En fait, on se condamne à gagner la guerre de climat une fois sur deux quand l'adversaire est aussi 0 EV vitesse. C'est nul. Non, ça permet aussi de placer des distos. Tu peux jouer Kyogre sous disto si tu le joues comme ça, dans le format là. Il n'y a aucun problème. Ouais. C'est-à-dire que, en gros, si tu regardes la vitesse qu'il a, finalement, il est quand même rapide pour un Pokémon disto parce qu'il est à peine plus lent que Metalos, tu vois. À peine. C'est-à-dire que tous les vrais Pokémon lents, ils le dépassent sous disto. Mais la plupart du temps, si tu joues une team disto bien comme il faut, t'as aucun problème parce qu'il sera tellement plus lent que le Groudon en face, tellement plus lent que toute la galaxie que voilà. D'accord. Et j'avais noté un troisième truc, je ne sais plus, c'était quoi. En fait, il y a trois avantages au fait qu'il ait la vitesse. Attends. Ah punaise. Attends, il y en a deux. Les deux là, c'est la guerre de climat. C'est un challenge, ah oui. C'est un challenge de le capturer avec 0 IV en vitesse. Et ça permet, ça permet de gagner aussi, d'avoir la possibilité de le jouer à Groudon en fait, en même temps. Si tu joues Primo Groudon et Primo Kyogre, tu peux mettre les deux sur le terrain tant que c'est Kyogre qui active son truc et d'accord. pas Groudon. Parce que si c'est Groudon qui active son truc, Kyogre sert à rien en fait. Kyogre sert à rien, si, d'accord, oui. Tu c'est un super ça. Laser glace inutile, oui. sinon. Voilà. J'avoue. Mais sinon, ça, c'était quoi ta remarque déjà? Ma remarque, c'était pourquoi est-ce que vous jouez ces Pokémon de chiasse? Ah oui, d'accord, oui. Bah, voilà. Parce que ça fait partie du jeu, écoute. Ah d'accord. Parce que t'as le choix entre jouer des trucs cassés et des trucs pas cassés. Donc tu joues des trucs cassés et t'essayes de gagner. Pourquoi est-ce que vous supprimez pas juste tous les légendaires et à ce moment-là, vous jouez à un vrai jeu? Alors déjà, en fait, non, Ken. Alors justement, c'est pas si catégorique que ça. Alors, le problème du format, c'est qu'il y a énormément de tricks qui sont possibles, ce qui rend le metagame un peu aléatoire dans le sens où quand l'adversaire est en face de toi, tu peux pas tout à fait savoir ce qu'il a comme set. Par exemple, le Kyogre qui arrive en face de toi, tu sais pas s'il a Fatal Foudre ou pas. S'il a Fatal Foudre, ton Kyogre perd. S'il a pas Fatal Foudre, tu peux faire un duel. Tu ne sais pas. Mais ça a toujours été le cas, sauf que là, c'est beaucoup plus présent. Il y a eu un rapport sur Nugget Bridge qui en parle. Le format est un peu plus dangereux. Par contre, il est pyramidal. Le problème du VGC 2015, c'est qu'il se cristallisait parce qu'en fait, le top tiers du Pokémon, c'est pas
un Pokémon dominant hyper fort et ensuite les autres en dessous, comme ça a souvent été le cas. Non, là, c'est pas le cas. Il y avait Kangourex qui avait beau être super fort, il était super fort surtout parce que c'était la meilleure des méga, mais en dehors de ça, beaucoup de tous les bons joueurs savaient le gérer, donc c'était pas un Pokémon craqué en fait à ce niveau de jeu. Bon, ça a quand même gagné à la fin. Hein. Oui, ça a quand même gagné à la fin parce qu'il n'y a pas meilleur méga, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas meilleur Pokémon. C'est-à-dire que c'est le meilleur méga, mais que tout le monde sait jouer contre lui, tout le monde sait le gérer, et en fait, c'est plutôt un bloc qui s'est formé, qui a eu un nom qui s'appelle Shulk. Shulk, Karch, non. Non, pas Shulk. Karcha Shulk. Shulk. Voilà, Shulk. Merci. De rien, je t'en prie. Ça s'appelait Shulk, en fait. C'est la première lettre de tous les Pokémon qui composent une équipe de base du VGC 2015. Okay. Et en fait, tous les Pokémon top tier capables de former un Shulk formaient un bloc en eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire que le Pokémon en soi est peut-être très fort, mais tant que t'as un Shulk, en fait, t'es craqué. Ce qui était craqué, c'était pas d'avoir Kangourex, c'était d'avoir un Shulk. Alors, Itran, Golet, Cresselia, Kangourex, Demeteros, et j'en ai oublié un, mais c'est pas important en Karcha, fait. Karcha, non ? Non. Non. Non, 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 il n'y avait pas Karcha Croc. C'est les noms en anglais, évidemment. Oui, c'est ça. Cresselia, H pour Itran, A pour Amoongus, L pour Landorus, K pour Kangourex, bah, je crois que c'est tout en fait. Bon, je sais plus, il m'en manque peut-être une. Mais il y a un C, non ? Non. Pour faire 6. Non, mais je sais plus, mais c'est pas si important que ça. S-H-A-L-K, ça fait 5. Ouais, bah il manque une lettre quelque part, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave, c'est juste pour vous dire qu'en fait ça forme un M-Lock. Maintenant, là, on a plutôt une pyramide, c'est-à-dire que de toute façon, il y a les primo-résurgences, tu vas pas jouer deux légendaires qui peuvent faire primo-résurgences, tu vas perdre 100 ou 200 de bastat, c'est débile. T'en joues au moins un des deux si t'as envie d'avoir une chance de gagner. Bah, évidemment, mais c'est ça que je regrette. Mais, du coup, c'est pyramidal en fait. Et le parce pire... que on va se retrouver forcément avec quasiment un des gros main games du jeu, c'est ah, c'est qui là le climat. Mais c'était déjà le cas en 2010 quand tu jouais les légendaires aussi et qu'il n'y avait pas les primo résurgences. Et hein. C'était déjà chiant comme format. Mais non, c'était pas chiant. Oh, on a justement une vidéo de la finale de 2010. En vrai, 2010, c'était stylé. La seule raison pour laquelle c'était chiant, c'est parce que la 4G, les combats étaient chiants parce qu'ils étaient lents, ils étaient mous. C'est tout. Non, je t'assure. C'est hyper rafraîchissant de pouvoir jouer Uber hein, pour les gros joueurs. Et le format est vraiment cool. Là, en l'occurrence, c'est simple. Ta team... En fait, c'est intéressant. Je vais te donner une anecdote, par exemple. Vas-y, donne-moi une anecdote, parce que là, j'arrive pas à voir, hein, sincèrement. Groudon, terre primaire. C'est quoi, c'est terre primaire, son talent ? Terre primaire, c'est un moque à soleil qui fait que tu peux pas utiliser d'attaque haut. Sauf qu'ils ont eu la bonne idée de faire que les talents ciel gris et airlock, qui annulent tout effet du climat, fonctionnent toujours sur ces talents. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Mais c'est pas, donc, tu c'est mets pas un Aquaquack. Donc, le Aquaquack est Pokémon de type eau. Qui enlèvera le climat, qui se fera ensuite one shot par Groudon. Non ! Comment ça, non ? Mais si. Non ! Ah si ! Non ! Ah si ! Il tape plus vite. Il fait quoi ? Bah, il tape Groudon. Bah, avec quoi ? Bah, avec une attaque aquatique. En spé ? Il fait x4. Peu importe, avec une attaque 4. Aquatique, il fait x4. Mais oui, Groudon est primo-Groudon, c'est le seul feu. Et donc du coup, ben, tu te rends compte que là, t'as un Aquaquack qui fait ça. Et quand il réfléchit, tu dis, mais punaise, il y a qui d'autre comme Pokémon avec ciel gris ? Altaria ? Mais Kyogre, il lui fait rien à Kyogre, ton Aquaquack. De quoi ? À Kyogre, notre Pokémon, la Kyogre. Kyogre, il arrive là. Et ben... Aquaquack, il le regarde, il lui enlève son climat. Ouais, mais il est moins pété, il lui met une baffe, bon, Kyogre. Il rigole, il a 200 PV et 100 de base stats, ouais, en défense. Alors Ken, et ensuite après il fait Fatal Foudre. Alors Ken, je te rappelle que tu dois choisir 4 Pokémon sur 6. Si sur tes 4 Pokémon tu sélectionnes Aquaquack alors qu'en face le mec il a pas Groudon, il a Kyogre, c'est que quelque part il y a quelque chose que t'as pas compris. Mais il a les deux dans l'équipe, tu peux prendre les deux, Raph. Tu peux prendre Kyogre et Groudon dans l'équipe. Et les deux tu peux les prendre. Oui, mais si jamais c'est la terre primaire qui domine, ça veut dire que le mec se tire une balle dans le pied, donc tu vaut mieux le laisser faire. Si c'est la mer qui arrive, c'est-à-dire que tu peux taper aquatique sans l'aide de Aquaquack, tu t'en fiches. Non, ça en vrai. Ça me fait peur. Mais non, t'as pas. Peur. Il y a plein de techniques. Par exemple, il y a des techniques qui sont drôles. Du genre, par exemple, tu peux, si tu veux gagner la guerre des climats, plutôt que de jouer un Pokémon hyper lent, comme je l'ai montré sur la fiche Strat, tu peux jouer le Pokémon à l'inverse, super rapide, genre timide ou modeste, avec des EV en vitesse et tout. Et en fait, tu mets un Pokémon à côté, Farceur, par exemple, qui fait échange. Donc il va récupérer le talent de Kyogre,
Donc si l'autre il envoie Primo Groudon sur le terrain et pour te mettre le guac en fait, ou s'il fait méga évoluer Rayquaza pour mettre son talent spécial. C'est des strats malgaches arabes. Mais non, c'est pas malgache. Ça peut passer c'est une fois sur un pif. Non, ça passe. C'est un truc, tu passeras jamais les poules. Non, c'est méta. Faut que tu te rends compte. Non, Ken, je t'assure que non. Visualise un mur. Okay. Tu le vois, fonce Ken, dedans. T'es dedans. Ken, tu peux me dire, donne-moi les faiblesses d'un Primo Groudon lorsque son talent est activé. Feu sol. Ouais, voilà, ah, oui. C'est quoi son talent, il prend à peu près toute la planète, quoi. Non, c'est faiblesse. Bah, c'est l'eau. Il a deux faiblesses. Non, parce que son talent, il est activé, donc l'eau ne fonctionne pas. Donc c'est le... Le c'est la... Le c'est plus... sol. Le type sol. Donc il a sol. Que le type sol comme faiblesse lorsqu'il bien, est sous le soleil. Sol. Son seule faiblesse, c'est le sol. Quand Cressilia fait échange... Oui, c'est ça. Quand Cressilia fait échange sur Groudon pour réactiver son talent, ouais. Il a combien de faiblesses, Groudon? Il est fait... Et si, du coup, il en a plus. Il en a zéro. Ah bon? Parce qu'il chope, il chope l'évitation de Cressilia en échange de son talent. Donc du coup, il est sous son climat qu'il protège de l'eau avec l'évitation qu'il protège du sol. Et avec ce combo... Et donc, attends, là, en fait, ça, ce que tu es en train de me dire, c'est un truc qui donc, est censé rendre intéressant le méta. Non, mais c'est pour te dire qu'il y a plein de combos. Parce que là, tu es en train de me dire que... Mais regarde, avec ce combo-là, je peux rendre le jeu encore plus chiant et pété. Mais non, c'est pour montrer que quand il y a un metagame où le Pokémon central se contrôle lui-même et que c'est vachement intéressant. Voilà. Mais t'inquiète pas, Ken. Solo 4G, Garchomp. T'inquiète pas. Mais c'est super intéressant, tu peux jouer Kangourex Hydro-Queue, c'est jouable. Kangourex Hydro-Queue. Mais le Pokémon t'a invoqué Dieu, tu mets Dieu, aucune faiblesse, les meilleurs bastades de tout le game et le talent le plus ultime de l'histoire. Ouais. Tu mets Dieu au milieu du terrain. Oui. Il se passe quoi? Tu fais quoi? Enfin, si. Oh, Dieu, c'est Arceus, SD, c'est fort. Tu switches, t'envoies Altaria et avec Kangourex, tu fais Hydro-Queue. Ça, c'est ma réponse. T'as le temps de perdre 3 Pokémon. Mais n'importe sur une quoi, attaque. Je t'assure que non. Je t'assure que non. Vraiment. C'est intéressant. Je ne sais plus quoi faire, Raph. C'est terrible. En vrai, je t'assure que le méta de cette année, ça sera peut-être pas le meilleur des métas de tous les VGC du monde. J'en sais rien. Ah, c'est dit. J'en sais rien. Non, mais j'en sais rien. C'est parce que j'en sais rien. Je suis pas devin. Mais je suis quasiment sûr qu'il sera meilleur que l'année dernière. D'accord. Quasiment sûr. Très bien. On verra peut-être dans 90% des matchs sur Groudon. Ça sera pas pire que 80... C'est vrai que Demeteros Kangourex c'était très chiant. Ça sera pas pire qu'un mondial avec 8 teams qui ont tous les 8 5 Pokémon identiques. Ouais, mais ça sera pas pire. C'est juste visuel en fait, tu vois. Non, mais quand c'est pas tu que vois visuel. Sur le terrain, t'as des Kyogre et des Groudon comme ça en méga primo résurgence. Ils veulent pas. Tu fais mais attends ils jouent à Kyogre, il fait un peu genre t'es ouais, avec ses joueurs. T'es en finale des VGC, en demi-finale tu les as eu aussi, en quart de finale tu les as eu. Tu regardes ton écran, tu fais mais attends, ils jouent vraiment ces Pokémon là dans ouais, le bon, format. Ouais, bon, quand t'as une Elena qui bourmente toute la terre aussi jusqu'en ouais, finale, c'est ouais, un peu c'est chiant. Ouais, c'est tu ça, vois, tu te demandes vraiment pourquoi est-ce que ces persos sont autorisés. C'est ça le je suis en strat, pourquoi je me teste. C'est juste pour faire chier. Non mais moi ça me tu vois, je suis le contre-argumentaire de ce qui pourrait se passer, je ne comprends pas pourquoi on autorise des Pokémon comme ça en fait. C'est tout, c'est pour moi dans ma tête ça me tu changes juste de tiers. Hein. Et en vrai, moi je trouve ça super intéressant c'est qu'il n'y ait tout. Pas que des légendaires. En fait, s'il y avait eu que des légendaires, enfin la possibilité de mettre 6 légendaires dans sa team, j'aurais peut-être trouvé ça un petit peu. Ouais, il y aurait eu Kangourex et 5 légendaires dans toutes les équipes quoi. Non, parce que là du coup, il y aurait eu réellement de la strat, je pense. Parce que si t'avais c'est pas fou, autorisé hein. C'est pas fou. Tous les légendaires, c'est pas fou. T'aurais eu réellement la différence entre les gens qui jouent. Tous les légendaires juste parce que j'aurais mes 6 légendaires dans ma team et je tape parce que c'est fort les légendaires ouais. Et les vrais strats. Parce que par exemple, en format Uber de base, les meilleures strats, c'est pas les. Enfin, les meilleures teams, c'est pas celles avec 6 légendaires. Oui, non, je suis d'accord. Donc voilà, donc ça, ça aurait mais été. Je pense que ça aurait été oui, un nettement meilleur mais format. En format Uber du solo aussi, il y a beaucoup de Pokémon qui ça rendent le méta Uber intéressant qui sont fabuleux. Parce que dans un méta composé de 80 d'un bon 60% de type dragon, avoir un Pokémon, avoir un Arceus qui peut potentiellement être Pixie Plate. Ça force les gens à y réfléchir. Je vais vous mettre d'accord. Qu'en penses-tu, Mizu? Il n'y a pas Evoli. Mais moi, je m'en fous. Je vais jouer à Shuffle pendant les Worlds.
Ah bah bravo. Eh bien, je pense voilà. que ce sera le mot de la fin. On rappelle la question c'est du jour. Bien, j'ai faim. On rappelle Mizu au World of Shuffle l'année prochaine. On donne la réponse à la question du jour quand même, très cher. Alors, il oui. y a combien de mini-jeux dans la saga hein, Pokémon la saga, Stadium. Donc ça veut dire Pokémon Stadium 1 ou moins. Et Pokémon Stadium 2. On a compté avec Raph. Enfin, Raph a compté ouais. et j'ai fait OK. Il y en a... Bravo. Il y en a 10. Il y en a 10. Donc, d'accord, 10. Est-ce qu'on 6, peut les... 6 dans Stadium 1 et 4 dans Stadium 2. Je sais voilà, plus les donc, noms. Dans Stadium 1, bah, t'as celui avec Magikarp. Ouais, t'as ouais. juste à bourrer T'as Magikarp. Ouais. T'as le... Ratata. Donc, non. Si, le saut, le saut et le A. T'as Pikachu et Electrode, parce que t'as A et B. T'as Sablette. Sablette, donc t'as que les deux gâchettes du haut. Tout à fait. Soporifique. Oui, Soporifique, tout à fait. Et. Ah ben, on les voit là, en fait. Et ouais. le dernier, c'est. Les Crisaciers. Ah, les Crisaciers, ouais. Exact, donc ça fait 6. Et dans Pokémon Stadium 2, c'est lesquels moi, j'ai pas en tête. Je l'avais pas. Je les ai comptés tout à l'heure. Il y en a que 4, en fait. Donc les mini-jeux étaient plus compliqués dans Pokémon Stadium 2. Hein. Oui, c'est ça, en fait, en général. En général. Donc il y en a 10, si vous avez bien répondu sur hashtag voilà. USA, vous avez une chance de gagner Liveltage Shiny. Félicitations à vous tous et merci en tout cas pour eh bien, cette rentrée. Merci à vous d'avoir été là. La semaine prochaine, on remet le couvercle avec, j'espère, bah, plus de game. Je vous retrouve quant à moi pour la nouvelle saison oui d'Il est pas Shiny demain à partir de 15h. N'oubliez pas demain, que si... tu parles de l'annonce de Pokémon, hein, si on la voit. Oui, bien sûr. Je vous rappelle que si vous voulez mater du Pokémon, jouer à Pokémon, partager sur Pokémon, n'importe quoi, il y a la chaîne Pokémon qui est 24/24, mais qui est quasiment tout le temps. On peut teaser un peu. On veut teaser. On a parlé des 20 ans de Pokémon, vous oui. savez, dans cette émission. Oui. Vous savez que la vraie date des 20 ans de Pokémon sera le 27 février. Bon, nous fait. Deux, on sera à Cannes. C'est vrai, mais il y a sans doute quelque chose qui se prépare sur la TV Pokémon. Donc je vous invite à aller sur la TV. Ça va sans doute teaser dans tous les sens jusque-là. En tout cas, tous nos casters, on leur fait plein de bisous. Pensent à vous faire quelque chose. Donc voilà. Exactement. Stay tuned. Exactement. Donc rendez-vous demain, rendez-vous sur la TV Pokémon, bien entendu. Et tout de suite, eh bien, c'est le retour hein, de Bob Lennon hein, et du strip de la propreté. Bob Lennon qui est ici, présent, frais, de retour de vacances. Et qui va pouvoir vous proposer la meilleure... C'était très mauvais cette imitation de ce masque. Hein, toute merci. L'histoire, mais t'as reconnu. Oui, oui, t'as bah reconnu, oui, si t'as reconnu, bah c'est bah que oui, c'était oui. déjà pas mal. Quand même. Je vous laisse donc avec mon ami Bob Lennon et je vous donne rendez-vous demain. Merci à tous pour l'émission. Merci oui à la réalisation ici. Bisous à tous et bonne fin des programmes. Bisous. The Gaming Live, bien sûr.